Et merde, j'étais en train de changer de catégorie en fait. Chance, présence ennemie. Non. Il y a un truc, j'ai jamais pris le... Putain, je voudrais bien avoir vie en étoile sur mon équipement, sur mon armure. Ça serait tellement bien. Ça serait tellement bien. On se prend un brise-garde en bleu. Ouh, c'est bon ça. Ça aussi, ça doit être pas mal. Augmente la résistance en réduisant les dégâts de qui subit en complémentaire, choisis ennemis sauter et BT. C'est pas mal ça en bleu. Ouais, étoile, vie en étoile, ça ferait un bon 300 de plus à chaque fois. C'est pas mal. Bah, surtout pour notre style de jeu en fait. Les dégâts armes de G, on va les garder. Ouais, surtout pour notre style de jeu. Avec, depuis qu'ils ont rajouté les dégâts armes de G là, j'ai tellement envie de faire vraiment un ninja. Sang de yokai. On avait dit qu'on le gardait celui-là? Je crois. Je sais plus. Mais genre, ce serait pur ninja. Enfin, moi, à chaque fois, j'ai envie de faire à chaque fois pur ninja ou pur mage omnio et tout. Genre. Enfin, ninja, oui, on taperait quand même. Ouh, auto-restauration en absorption de la Merita. Ouh, c'est bien ça. C'est très bien ça. Tiens, Tsukiyomi. Bonus de statut étendu. On va le garder. Bah, il est pourri quand même. Il a vraiment des... Il n'y a pas beaucoup de choses bien, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Réduit de 1 le nombre de pièces d'équipement nécessaires pour obtenir un bonus d'équipement d'effet pas accumulable. Oh, donc on peut l'avoir sur autre chose. Ah, c'est cool. On va le garder, tiens. Pas mal, pas mal. Ah, parce que c'est vrai que le Yazakani, il donne rien, en fait, d'autre. Donc là, on pourrait... on pourrait mettre autre chose. Ça, c'est bien, ça. C'est cool, ça. Très cool. Fais voir un peu... On Gyoki. Ça, c'est l'esprit, là. On Gyoki, c'est ou celui qui disparaît ou l'autre qui fait de l'eau, là. Je crois que c'est celui qui disparaît. Bon, après, les trucs, c'est de la merde. On va aller au forgeron. Oui, c'est vrai qu'on a eu ça. Alors, vitesse de sprint et infusée de corruption. Défense de cauchemar. Lettre de cauchemar. C'est Otakemaru. Tout est bon, tout est bon. Bienvenue dans l'aube. Alors la flamme furieuse, 772, 578. Non, pas 700, 500. 567. Eau envahissante. Ouh, ça va être intéressant celui-là. C'est pas avec ça commence par un G, le nom du boss Gyoki, je crois. Genre le truc énorme là avec les ailes qui fait du poison. Est-ce qu'elle vient avec nous elle? Non. Oh yes, on va se faire tirer dessus. Ah oui. Ah oui, défoncez-moi au vent. Oh mon dieu, on va se faire tirer dessus à fond.
peux avouer que ça fait pas très mal. Ouais, les pistolets, ça va. Je sais pas si j'en ai parlé, il y a un jeu que je veux refaire, c'est Death Stranding. Je sais qu'il y en a qui aiment pas et tout ça, c'est pas vraiment le but de pourquoi je dis ça. C'est parce qu'il a une grosse mise à jour, 35 gigas. Attends, j'ai pas le bon arquebuse. Pourquoi on a la familiarité maintenant? Ça me paraît bizarre. J'adore cette prise. Parce que tout à l'heure j'ai changé d'arme. Transmission de masse. Non c'est bon. Non c'est juste que vu qu'on l'utilisait jamais, il a mis énormément de temps à monter. Ouais, Death Stranding sur PC par contre, c'est que la version PC qui a eu ça. Parce qu'il y a Cyberpunk qui est sorti. On va pas parler du carnage que Cyberpunk a été. Mais par contre ils font une sorte de collaboration, voilà, de collaboration pour Death Stranding. Ils ont rajouté plein de choses de... je vais pas pouvoir le tirer. Ils ont rajouté plein de choses qui sont tirées de Cyberpunk dans Death Stranding. Mais c'est pas genre cosmétique, c'est pas que du cosmétique. Il y a genre le bras de Silverhand, par exemple, parce que c'est Keanu Reeves hein, dans le jeu. Il a le bras gauche, c'est un bras cybernétique. Ce qui est marrant, c'est que ça ressemble un tout petit peu au bras de... Au bras artificiel de Big Boss dans Metal Gear Solid 5, un tout petit peu. Hein. Donc Sam, dans Death Stranding, peut avoir ce bras-là. Mais comme j'ai dit, c'est pas que du cosmétique. C'est-à-dire qu'il a aussi une utilité et on peut combattre. Merde, on peut combattre avec et on peut taper avec. Et ça fait voler les gens comme ce que faisait Big Boss dans MGS5. Donc je suis sûr qu'il en a tellement. Il en a tellement profité, Kojima. Quand il a vu ça, il s'est dit oh, faut que je le sorte. Faut vraiment que j'utilise à fond le système de faire la collaboration, quoi. Parce que c'est tellement Big Boss. Peux mourir, merci. C'est tellement Big Boss. Donc il en a dû profiter à fond. Bon, moi j'aurais fait pareil. Il a eu il a eu complètement raison de faire ça. Hein. Il a vraiment une. C'est vraiment une opportunité énorme, quoi. Donc il y a ça. Après il y a la moto aussi qui est tirée de Cyberpunk. Bon, la moto elle change pas, c'est juste un skin en fait, un skin différent de ce que j'ai vu. Et par contre on peut hacker maintenant, on peut hacker dans Death Stranding, on peut hacker les mules en fait. Donc on peut hacker les... comment ça s'appelle le... Oro... je sais plus comment ça s'appelle, le nom de la petite lampe là qui détecte les échoués. Donc on peut hacker ça en fait des mules. Les mules c'est les ennemis humanoïdes que vous rencontrez qui viennent récupérer votre cargo ou il y en a qui veulent tout simplement vous tuer. Et du coup il y a ça, donc déjà on peut hacker leur lampe là. Voilà. Et je crois que ça les électrocute en fait de paralyser la lampe. Ça leur lance une décharge. Donc ça rajoute du gameplay. C'est complètement nouveau hein, comme gameplay. C'est complètement nouveau, ça n'existait pas dans Death Stranding. Et la version PS4 l'a pas non plus. Il y a ça.
On peut aussi pirater les détecteurs de cargo quand vous rentrez dans le territoire des mules. Il y a quoi d'autre aussi? Après, il y a des, bien sûr, il y a des skins pour le de visage en fait, de décoration, genre à la cyberpunk pour Sam. Je sais plus ce qu'il y a encore d'autre. Je crois qu'il me manque encore, oh, encore quelque chose. Excusez-moi, je crois qu'il me manque encore quelque chose. Putain de merde. Elle est où? D'accord. Quoi? Mon dieu. On va se mettre là. Bien relou lui hein. je crois ouais, je crois qu'il me manque encore un truc. Mais vraiment vraiment cool. Et ce qui est marrant, c'est que ça, c'est du gameplay, c'est du tout nouveau gameplay, et ça change vraiment pas mal de choses en fait, comment vous jouez. Genre vous pouvez y aller à un peu plus bourrin avec le bras de Silverhand, donc ça ferait comme le bras de Big Boss en fait. Genre mettre des gros coups, ou alors vous pouvez hacker, donc ça fait plus sneaky, genre infiltration à la Metal Gear Solid et tout ça. Donc je suis assez épaté en fait de voir ça. Ah tiens, on a eu la hache. Alors on va voir si c'est 50, 45 ou 50. Non, on a 467 de plus. Donc sûrement 50 du coup. Ouais. Bah c'est bien parce que ça fait un chiffre rond, mais putain 50 c'est quand même énorme. Hein. Je veux pas dire, mais waouh, la vache. Ça va prendre du temps hein, avant de tout monter. Hein. Enfin de monter jusqu'à 50. Hein. Donc ouais, c'est complètement complètement envie de recommencer en fait Death Running du tout début. Parce que ça change pas mal de choses. Oh l'autre. Bon, je vais pas parler parce que on va avancer, c'est ça fait que gueuler en bas là. Coche de leur combat la con. Ah, très bien. Un truc j'ai remarqué, elle on peut la bait, genre la pâter en fait, à faire cette attaque là, en reculant un peu. J'ai remarqué que ça arrive souvent, enfin souvent. Voilà. Et après je fais ça. Parce que vu que c'est, comme j'ai dit, moi c'est quand il y a quelque chose qui est un peu rapide en fait, un ennemi qui est un peu rapide, c'est un peu compliqué pour moi directement de les pourchasser en fait, avec mes attaques.
De quel côté? Donc du coup de faire ça c'est vachement bien. Attends, il est en train de taper. Ah oui, un squelette. Eh ben. Eh, viens avec moi. Yeah. Donc ouais, je suis... honnêtement, ouais, je pense refaire le jeu. Du tout début, genre une nouvelle sauvegarde quoi. Fini le. Je parlais du. Y a pas très longtemps là, pendant Nioh là. Je parlais du fait pourquoi je reprends Nioh 2 sur PC. Si vous avez joué à la PS4, et personnellement, moi j'en conclus qu'il n'y a pas trop de raisons en fait. Comme j'ai dit, sur PS4 Pro, le truc il tourne déjà à 60 FPS et tout ça, il n'y a pas de problème, le jeu est très bien. Il est très beau, il n'y a pas de glitch, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de crash. Attendez, c'est par là? Ouais, c'est par là. Donc du coup, en fait, vous gagnez rien. Ah merde. Protège-moi du con! Merci. Donc, vous gagnez vraiment rien du tout en fait à prendre la version PC. Comme j'ai dit, si vous voulez jouer peut-être en 4K à 60 FPS, bon d'accord, oui, là oui. Mais voilà, vous gagnez pas grand chose. Et il n'y a pas d'objet unique. Alors, si, je mens. Il y a comme le premier, c'est-à-dire qu'il y a Valve. Donc, vous avez un casque avec la Valve à l'arrière du casque en fait. Un Kabuto, vous avez, avec la Valve. Honnêtement, c'est moche, c'est pas... Enfin, c'est... Voilà, on s'en fout, quoi. Et il n'y a que ça. Il y a vraiment que ça, en fait. Et après, Nioh, c'est pas vraiment un jeu... à mode. Honnêtement, je crois pas qu'il y avait vraiment des modes dans le premier, à moins que je sois passé à côté, mais voilà, il y a pas vraiment de raison en fait de le prendre sur PC, vu que la version PS4 est très très bonne. Par contre, Death Stranding, c'est une autre histoire. Alors, le jeu en fait est très bon sur PS4, mais ceux qui se sont occupés de la version PC, en fait, ont fait un travail monstre sur la version PC. C'est-à-dire que la version PC, il y a le Ultra HD par exemple. Donc c'est avec les écrans Ultra HD, genre les écrans très très larges là. Donc il y a ça déjà, de Death Stranding comparé à la version console. Évidemment, taux de rafraîchissement énorme à plus de 140 FPS, les écrans 144 Hz et tout ça, là, ça marche extrêmement bien aussi pour le rendu, pour la beauté du jeu, la fluidité du jeu. Il y a le DSLL de Nvidia qui est dessus. Enfin voilà, la version PC est vraiment extrêmement bonne de Death Stranding. Même moi, je suis dégoûté. Moi, j'ai toujours une 1080 Ti. Qui a déjà 3 ou 4 ans. DSLL, du coup je peux pas l'avoir parce que c'est que les RTX qui font ça, donc il faudrait des versions 2000 ou alors les 3000. Donc moi ça me fait chier personnellement de pas pouvoir faire ça. Bien sûr on peut le mettre en 4K, enfin voilà, rien que ça.
déjà, ça vous donne une différence, en fait, de pourquoi vous voudriez prendre le jeu sur PC à la place de la console. Ou alors, sur PC, après avoir joué même sur console. Moi, je l'ai pris sur PC, parce que Death Stranding, parce que j'aime beaucoup le jeu. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de contenu, en fait. Il y a énormément, enfin énormément, non, beaucoup on va dire. Il y a beaucoup de contenu en plus. Et ça c'est bien, enfin c'est bien pour les PC évidemment. On a plusieurs trucs pour Valve. De Half-Life en fait. On a genre des camions, des skins et tout ça. Mais on a aussi des objets qui fonctionnent pour le gameplay de Half-Life. Et maintenant, on a Cyberpunk aussi. Donc ouais, honnêtement, Death Stranding, c'est vraiment... ouais, c'est quand même... C'est nettement mieux sur PC. C'est largement mieux sur PC. Même si vous n'avez pas le meilleur PC du monde et que... Vous n'êtes pas vraiment là pour y jouer en 4K et tout ça. Rien que pour le contenu supplémentaire. Et maintenant, en plus, comme j'ai dit, avec le hacking et tout ça qui a été rajouté, ben là, c'est encore... C'est du gameplay que vous n'aurez pas sur la PS4, quoi. C'est quand même énorme, non? Vous avez déjà vu un jeu, le même jeu, qui a du gameplay supplémentaire sur une des plateformes? Moi, j'ai pas ça en tête. Hein. J'ai pas de jeu comme ça. J'ai pas de jeu comme ça, honnêtement. Genre, il y avait le prologue de Metal Gear Solid 5, là, c'était Ground Zero. Il y avait ça, je me rappelle que sur la Xbox, je crois que vous aviez une mission secrète, enfin, une mission spéciale avec Raiden. Et sur la PlayStation, vous aviez une mission secrète, spéciale, avec Snake en fait. Mais c'était une. Par rapport au tout premier Metal Gear Solid sur PlayStation, je crois. Donc il y avait ça de différence. Mais après, si je dis pas de bêtises, ils l'ont mis en DLC, l'un et l'autre en fait, dans les deux versions différentes. Comme ça, tout le monde pouvait avoir les deux missions au final. Mais après. Je joue très mal, j'ai spammé le même mouvement 3 fois parce que j'étais en train de réfléchir à des jeux comme ça. Peut-être des jeux de combat, genre comme ce que je viens un peu de dire en fait. Genre des jeux de combat sur PlayStation, ils ont peut-être des persos genre Final Fantasy, alors que sur Xbox ils ont d'autres persos. Mais ouais, non, j'ai rien en tête en fait d'un truc aussi énorme en fait. Parce que bon, du gameplay différent, c'est énorme. Oh merde. Merde. Ça va. Donc ouais, c'est assez impressionnant en fait. Donc c'est pour ça que... En plus, Death Stranding, c'est vraiment le jeu qui est assez grand. Surtout si vous avez fait plein de missions secondaires et tout ça. C'est pas vraiment trop le jeu que vous avez envie de refaire, honnêtement. Je vais être honnête. Parce que c'est grand, c'est un peu comme Witcher 3, honnêtement. Refaire Witcher 3... Si vous avez fini Witcher 3 à 100% et que vous le refaites de zéro, vous avez vraiment beaucoup de temps sur... sur les épaules, enfin du temps libre, ou alors vous êtes complètement fou. C'est l'un ou l'autre, honnêtement. Vous vous faites très chier en fait dans votre vie.
Parce qu'il y a tellement de choses à faire. C'est comme Fallout 4. C'est genre... genre refaire un perso Fallout 4. Quoi. Après avoir joué 500 heures la première fois. Putain de merde. Attends, celui me fait chier là-bas. Ah, ça passe pas. Ça se passe pas. Ici alors. Voilà. Après, bon, je dis ça, c'est vrai que c'est... c'est moins pire dans Death Stranding, mais bon, c'est un peu le même équivalent, quoi. C'est le jeu avec tellement de choses à faire que le refaire, c'est quand même assez... assez comaque. Mais c'est vrai qu'après, moi, j'avais beaucoup joué à la version PS4, et la PS4, je l'ai... J'ai quasiment 100% de jeu, en fait. J'ai fait quasiment toutes les livraisons. Et les combats et tout ça, les boss et tout machin. Mais sur la version PC, j'avoue que j'ai surtout fait l'histoire principale. Je l'ai en stream. C'est quoi derrière moi? Putain, c'est un truc comme ça! Chier. On va s'amuser un peu. Mais merde. Bon, on s'amusera pas. Il y a aussi un truc, c'est que si on est tout le temps en yokai, on pourrait spammer l'esprit. On pourrait spammer l'esprit, c'est intéressant ça. Oh mon dieu. Donc ouais, du coup, vu que j'ai pas trop fini... Death Stranding. En plus, il y a un truc qui m'a un peu dégoûté, honnêtement, mais c'était un peu tout nouveau, le fait de streamer sur YouTube. Et YouTube, c'est quoi? C'est 12 heures, je crois. C'est que si vous faites un stream de plus de 12 heures, après, il est plus sauvegardé. Et moi, je savais pas ça à l'époque. Et je crois que le dernier stream que j'ai fait sur Death Stranding, en fait, il a fait 15 ou 16 heures, un truc comme ça. Donc du coup, il n'y a pas la fin. Et j'ai... honnêtement, ça m'a vraiment dégoûté de voir ça. J'étais... ouais, non, ça m'a complètement dégoûté. Ça m'a profondément dégoûté parce que j'avais vraiment envie de mettre Death Stranding en fait sur ma chaîne. Parce que ma chaîne, moi je la prends. Je le prends toujours de la même façon, c'est-à-dire que je fais partager ce que j'aime aux gens et puis basta, c'est tout. Si les gens ils aiment, tant mieux. Si ça me permet de discuter avec des gens ou de leur apprendre des choses ou vice versa, ou leur faire découvrir des nouvelles choses. Il y a plein de gens qui connaissaient pas, genre des vieux jeux et tout ça. Je leur ai fait découvrir des vieux jeux et tout ça, et ils disent que c'est top, quoi. Donc si je peux faire ça, moi ça me plaît. Et après, comme j'ai dit, c'est vraiment pour moi que je fais la chaîne. Je le prends pas pour un boulot, je me force pas à faire les choses. Voilà, quoi. Et du coup, ça m'avait vraiment profondément, en fait, déçu. J'avais même envoyé un email... à YouTube, parce que quand on est enfin pas partenaire, mais quand on est créateur, créateur de contenu, on va dire qu'on a un email pour directement parler à quelqu'un. Enfin, on va dire que c'est plus rapide que la normale. Et après, la personne m'a expliqué que non, c'était automatiquement pas en fait enregistré, donc ça marche, on peut pas récupérer la fin. Mais j'avoue que j'étais... Putain, tu vas... ton ki, quand tu veux, tu le casses, hein. Et le truc, en fait, il bloque une fois sur deux, donc du coup, ça m'embête, en fait, pour détruire le ki. Là, quand il bloque pas, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. T'as connu le massacre, la vache.
Tiens, prends-toi un gaki. Gaki était en train de le bouffer. C'est énorme. Genre pendant, pendant Halloween, là, on a fait... qu'est-ce que je me suis fait chier pour trouver une Wii U. C'était horrible. Mais on a fait... c'était quoi? Project Zero 5? 4 ou 5? 5. Très très bon jeu, mais très très peu connu aussi. Ça aussi, il faut que je le refasse. Pas je le refasse. Enfin, non, si, je le refasse. Parce qu'il y a des... il y a des difficultés de supplémentaires, il y a des missions, il y a des nouvelles nouveaux niveaux et tout ça. Donc faut que je le refasse. Mais voilà, Death Stranding, j'ai vraiment envie de le refaire pour ça. J'avais déjà envie de le refaire à la base, en vidéo, pas en stream, comme ce que je fais avec ça. Ça me permet de parler en fait librement et tout ça. Des fois c'est plus intéressant pour certaines personnes. Donc là, du coup, ça me fait vraiment une raison en fait, avec du nouveau gameplay. Donc si vous êtes intéressé par par du Death Stranding, je pense qu'on va le faire. J'ai aussi commencé, je crois que j'en ai parlé, commencé DMC5 là avec Virgil, faut que je le finisse. Ça devrait pas être très long, mais vu que le DLC est sorti en... entre temps, le DLC de Nioh, donc... très bien. Ok. On a besoin d'aller là? Non, on n'a pas besoin d'aller là. Ok, boss. Il fait de l'eau, hein, je crois bien. On va prendre ça. Poison. Ce qui est chiant, c'est que on va aller là. Non, mais en fait, on va pas se faire chier, on va faire ça. Je devrais me transformer en fait, je... Il y a un truc que je fais jamais, c'est me transformer pour faire... Ouais mais non, le temps que l'animation se joue, ça marchera pas. Hop. Je touche plusieurs fois, c'est bien. Merde. Ça va. Putain. Ah mon dieu. Il est un peu chiant en fait pour ma façon de jouer. Je sais pas sur quoi je suis ciblé en fait. Très bien. On va spammer Onryoki en fait en dessous de son ventre. On l'a fait à la Dark Souls, ok? Voilà. On l'a fait à la Dark Souls. Chotto. Mais. C'est parti. Donc ouais, je suis assez
excité pour refaire Death Stranding. Surtout que j'ai adoré l'histoire et j'adore le gameplay. J'adore le gameplay. Gameplay, c'est du MGS5, honnêtement. C'est vraiment du MGS5. La personne qui dit que c'est pas du MGS5, que ça n'a rien à voir, complètement fausse. C'est le perso, il réagit exactement pareil, il y a le même système de combat avec les armes, c'est tout pareil. Dès que la première fois que je l'ai vu, le gameplay, je me dis putain, c'est du MGS5. J'avais complètement raison. Donc moi, ça me... Le gameplay de MGS5, je pense que c'est un des meilleurs, pour moi, gameplay auquel j'ai joué. Faudrait que je commence à détruire les trucs aussi. Parce qu'on va être plein. C'est bon. On va encore faire une mission. Ça, on a fait... 72 alors. On est à combien d'objets? 366. Ouais, il y a tout en fait que j'aimais dans MGS5. Enfin, purement gameplay en fait. Genre le système de... d'être lâché sur la zone et tout ça. Un peu libre de choix. Genre choisir faire des missions secondaires, principales, ou juste se balader. Genre faire sa propre mission, son propre but. Genre farmer, récupérer des ressources. Récupérer des soldats, des trucs comme ça. Et après, il y avait le gameplay bon lui-même, quand on joue. Genre infiltration ou même combat et tout ça. Le gameplay était très bon. Genre à troisième personne, on peut changer d'épaule. C'est con de dire ça. Hein. C'est vraiment con de dire ça. Mais il y a tellement de jeux troisième personne qui vous laissent pas changer d'épaule. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Toujours faire ça. Bah tiens, je crois que Death Stranding le fait pas. Et ça, c'est une erreur. Mais après, bon, ça passe encore. Parce qu'en fait, ce qui est important à savoir, c'est que dans MGS5, quand vous collez à un mur, des fois vous êtes à droite, des fois vous êtes à gauche. Donc vous allez vouloir vous cacher en fait sur le mur et pouvoir tirer. Donc c'est important de changer d'épaule. Alors que là, bon, il n'y a pas ça dans Death Stranding. Donc à la limite, c'est moins impactant. Mais rien que ça. Après, différents équipements de fou à avoir entre les grenades genre somnifères et tout ça, c'est un truc, il y a plein de choses. Mais après, il n'y a pas que ça encore. Après, il y a les aides de la Mother Base que j'adorais, moi. Genre, j'aime beaucoup quand un jeu vous lâche, en gros, on va dire, sans ressources. Enfin, pas sans ressources. Vous lâche et vous traite comme si vous étiez réellement en fait seul sur le terrain. C'est-à-dire que par exemple pour... putain, qu'est-ce que tu m'as fait? Ah, tu m'as baissé ma défense. Genre il vous traite vraiment comme si vous étiez seul sur le terrain. Mais il vous confère du support bien sûr parce que c'est la Mother Base et tout. Donc par exemple si on voulait changer d'arme... Putain de merde. Si on voulait changer d'arme, il fallait faire appel à la Mother Base et elle vous larguait genre une caisse et tout ça. Il fallait récupérer la caisse et s'équiper avec l'arme. Si vous étiez à court de munitions, pareil, et vous lanciez en fait des caisses avec des munitions. Genre rien que ça, c'est tout con, mais moi j'aime bien. Et après, bien sûr, vous pouvez vous procurer... Vous pouviez vous procurer de l'équipement sur le terrain, évidemment, en tuant des gens ou en trouvant des bases militaires et tout ça. Mais moi, j'adore quand les jeux vous fait vraiment sentir que vous êtes sur le terrain. C'est pas genre, oh bah tiens, on va... Vous avez balles illimitées dans une caisse, donc vous pouvez tout le temps retourner à la caisse, ou des trucs comme ça. Ça, c'est pas... Ça me met pas dans le jeu, en fait. Alors que MGS5 faisait tout, en fait, pour vraiment vous mettre dans le jeu. Je trouve ça vraiment bien. Yeah.
Merde, la roue. On avait bientôt notre magie qui était de retour. Je pense que j'ai fait. Pas grave. Oh putain, le... le dash en arrière qu'elle a fait pour esquiver mon attaque. Non, mais ça fait mal, c'est merde. Merde. C'est pas ça que je vais faire. On va combattre Kasha avec ses... avec son D en tour de poitrine. Double D peut-être. Merde, je tire des trucs explosifs depuis tout à l'heure. Et Death Stranding a une certaine... un certain côté comme ça en fait. Bon, bien sûr c'est Kojima qui l'a fait évidemment, mais... genre le fait de... d'aller par exemple attaquer les mules pour récupérer de l'équipement, mais il faut prendre par exemple un camion. Parce qu'il y a beaucoup d'objets à prendre. Donc vous chargez votre camion en fait, et après vous retournez à un camp, à une base. Ça fait très... c'est très MGS du coup. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé ça. J'aime pas trop ce niveau... enfin, j'aime beaucoup le... le fait que le village soit attaqué et tout ça, mais... je me perds, c'est un gros labyrinthe en fait à chaque fois. Par là. Des mages au mieux qui arrêtent pas de gueuler. Oh mon dieu, où est-ce que je vais là? On est de retour au tout début. De là. Là il y a les... ah non, je croyais que c'était les papillons. Je suis perdu. Aidez-moi. Si on suivait la boussole. Mais je sais pas comment avancer en fait. Là-bas là. Je sais pas comment y aller. Ah, un mur qui casse. Non, il y en a pas là. Faut aller là. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Putain, t'es chiant, toi. Très très bien.
Merde. Pas assez rapide pour ça. Je pense pas qu'on puisse le faire en réaction. L'attaque là, tout autour là, qui chope avec cet esprit, avec la brute, je pense pas que... Parce que faut le faire en fait quand il commence l'animation, donc c'est impossible. En réaction, c'est pas possible de le faire. À moins que je sois vieux. Et que je prenne trop de temps comparé à d'autres personnes. Cœur. Faire attention parce qu'on a plus de d'anti-paralysie. Dégâts qu'il fait. Ah oui, mais lui c'est parce qu'il tape haut. Et même si il a pas besoin de faire genre une attaque entre parenthèses élémentaire, il tape tout simplement haut. C'est tout le temps haut, donc c'est un peu la merde. Ok. Très bien. Je sais pas s'il faut que je retourne en arrière ou pas. J'ai un peu envie de rusher là. Parce que cette... honnêtement cette mission elle est relou. Faut que je vois s'il y a des meilleures haches. Je sais qu'il y en a une, ben je l'avais montré au tout début. Elle ressemble à la... Enfin, c'est la même que celle qu'on a quand on est un yokai. Mais faut que je vois s'il n'y a même pas des nouvelles encore meilleures. Mon dieu. Oh merde. J'ai cru que je l'avais esquivé. Merde, qu'est-ce que je fais? C'est bien ce qu'on sait. On a fait la toupie et on s'est tourné dans le coin. Voilà, là on refait pareil encore. Ça va. On s'est pris tous les gros dégâts. Quand elle explose comme ça, quand on est en difficulté élevée, ça fait mais ultra mal. Ça fait méga méga mal. Il y a un truc, le gaki là, que je peux balancer. Il grignote en fait les ennemis et ça leur fait perdre énormément d'amrita. Je me demande si c'est pas... Si ça serait pas utile pour rester en yokai. Ouais, c'est par là. Yeah.
très très bien. C'est par là. C'est là. Wait, that's... I'll go with you. I'll go with you. Yasuke. Yasuke. Tiens, il me rappelle que lui, il utilise une hache. Et dans le troisième DLC, on a des Mujina là, sorte de rats là, qui se transforment, qui prennent votre apparence. Et du coup, il y a une mission où ils peuvent venir avec vous en fait, ils vous suivent, et vous les libérez et ils vous suivent, et du coup ils prennent votre apparence. Donc moi ils prennent l'apparence avec une hache et tout ça. Oh, mais le carnage que c'est. Genre, quand t'as deux gros bourrins qui tapent à la hache, mais y'a personne qui résiste en fait. C'est putain d'impressionnant, c'est assez drôle. Honnêtement, j'ai bien rigolé. Ah merde, il est haut. Y'a un truc derrière, je crois. Ah, c'est ça. Ramène-toi. Ah, très bien. Et... mais ça fait extrêmement mal, c'est fou. Ouh, très bien. C'est qui est le maître du monde là ? Lord Nobunaga is not far. Bon, on s'en fout, c'est ça ? Go on ahead. Go on ahead. I will cover you. Ok. Je vais juste faire ça. Juste au cas où. C'est des objets, il faut les utiliser. Hein. Par contre, on va prendre l'anti-feu parce qu'elle, elle va nous faire chier quand même. Elle fait très mal, hein, cette conne. Et cette conne de cacha. Le problème, c'est que elle reprend un peu les problèmes que j'ai avec les ennemis qui font que reculer. Honnêtement, je pensais pas que ça commencera. Enfin, c'est un peu con ce que je dis, mais la vrille
elle commence à être... Et pourtant, enfin, on peut spécialiser dans la vraie. Je me rappelle que dans Mio 1, c'est ce que j'avais fait. Je m'étais spécialisé. Je l'avais appelé Moulinex. J'avais appelé le build Moulinex. Et c'était... en vrille, en fait, la vrille durait extrêmement longtemps, ça faisait beaucoup de dégâts, on était quasiment invincible parce qu'on récupérait des HP et tout ça, c'était marrant. Et là, en fait, je suis pas du tout basé sur la vrille, mais le fait que d'avoir ajouté l'anima en plus, je crois que c'est 50% d'anima en plus, ça le fait après que si l'armée est éveillée, je récupère encore de l'anima, machin. C'est que si je vide ma barre d'endurance pour vriller, je peux directement... Enfin, ma barre d'animal est pleine, donc je peux spammer, en fait, les attaques yokai. Donc, du coup, pendant que je fais les attaques yokai, je récupère mon endurance. Après, je peux revriller encore une fois, etc., etc. Et au final, ça fait pas mal de dégâts, parce que je mets plein de... Ah, putain, on a tout débloqué. C'est cool, ça. Ah, on a tout débloqué, ça y est. Il faut pas beaucoup hein, pour tout débloquer. Et du coup, quand je me mets à vriller, ça fait aussi pas mal de dégâts. Pourtant, je suis pas genre dégâts compétences ou quoi que ce soit. Tiens, on va faire ça, c'est rapide. On va la rusher par contre. Comme ça, je fais une petite pause. Mais entre ennemis saturés, ennemis en feu, ennemis corrompus, etc., la vrille fait mal. La vrille commence à faire très très mal. Donc... Donc c'est pas mal. On va juste tuer les choses qui sont intéressantes. S'il y a des choses intéressantes sur le chemin. Je voudrais juste un peu avancer en fait. Donc ça c'est un yokai qu'on connaît. Parce que cette mission en fait c'est une mission de crépuscule que j'ai fait genre 150 fois. Enfin 150 fois et encore je suis gentil. Donc j'ai honnêtement pas envie de me la retaper. Là on a quoi? Un tireur? Un Fuki je crois. Ouais. Ok, le Fuki on se le fait. Il nous suit pas? Ah il nous a peut-être pas vu. Non non si si il nous a vu. Oh, mon dieu les dégâts. Ah la pute, je me suis mis... Oh, les gars... T'as eu mal, hein? Ça c'est vraiment la mission que j'ai faite des milliards et des milliards de fois en crépuscule. Il faudrait peut-être un peu plus de différentes missions en crépuscule, parce que je crois qu'il n'y en a pas des masses. Hein. Il n'y en a vraiment pas des masses. Au final. Bon maintenant il y en a plus, parce qu'il y a les DLC et tout. Aïe, chaya, chaya, chaya. J'ai toujours pas testé les crépuscules de DLC. Ça doit être assez coriace. Bon, maintenant je peux les faire en voie du Nioh en plus. Donc on testera. Ah oui, il n'y a pas de. Normalement, il y a un truc sur le pont. Oh! Ok, bon, lui on se le fait par contre. On va pas détruire le cristal, sinon on va le tuer. Il va mourir et il va pas nous dropper quoi que ce soit. Ah non, touche pas le... Ok. Ça a pas touché le cristal. Attends. Parce que là on est dans la merde. Je veux pas toucher le cristal en fait. Oh la vache. Oh mon dieu. Les tirs.
Dieu, arrête de reculer. Arrête de reculer. Tu vas me rendre fou. Oh, tu vas me rendre fou. Ça t'apprendra de reculer. Tiens, prends-toi une brille. Merde. Ah, la hitbox du... La hitbox du cristal, elle est comac. Hein. Quand il y en avait un autre à droite, je crois. Vas-y, ramène-toi. Tiens. Doucement, doucement, doucement. Très bien. Oh. Vous avez vu comment je peux les détruire facilement, les cristaux? D'accord. Ah, les fragments de pierre là, de Damrita, c'est abusé. Les gros fragments qu'on récupère. C'est les crucifix, pierre, je sais pas quoi. Je sens que c'est une erreur de faire ça. Oh mon Dieu. C'était peut-être pas trop prévu les deux. Ouais, on a les deux sur nous. Merde! J'ai pas eu le temps de me changer en Orioki. On est dans le monde obscur, donc on récupère énormément d'anima, donc ça va. Quand on est dans le monde obscur, honnêtement, j'ai vraiment pas peur de rester au milieu. Même si les trucs commencent à me taper très fort, y a pas de problème. Voilà. Là, tu fais même pas mal, toi. Mais ramène-toi. Waouh. Tu vas te calmer. Désolé les Kodama, c'était pas voulu. Voilà, on peut tracer au boss. On a encore un niveau. Ça va, les niveaux, c'est potable, hein, la rapidité où on prend les niveaux. Bah, dans l'autre monde, c'est 5 fois plus rapide. C'est abusé. C'est complètement abusé. Alors, hop. Hop, c'est parti. Là, il nous faudrait la foudre en boule, mais bon, on va les utiliser quand même parce que ça baisse la défense de toute façon.
pas ça que je vais faire. Arrête de tourner à chaque fois que je fais ma brille. Dieu. Très bien. Honnêtement, lui, il avait pas besoin de se transformer en yokai avec les pierres d'esprit, là. Il est tellement puissant en tant que mage Omnio. Quand le combat, il est... C'est pas qu'il est même puissant. Enfin, c'est puissant, il l'est. Mais c'est qu'il est stylé. Il est méga, méga stylé. Genre, combiner des attaques magie Omnio avec des mouvements de l'Odachi, c'est super classe. Ah, c'est bien, on est en 190. Très bien. On a ça aussi. Game en terre subie. Bah, regardez vite fait les... les objets. Vagabond vaillant, fais voir. On a courage ultime. Ah, du coup, on a fini la zone. Je vais garder ça aussi. Oh, Saika plus, fais voir un peu. Bonus dans le 1000, plus 20%. Ah! Ça, c'est bon, ça. C'est ce que j'avais dit. C'est ce que je voudrais en fait moi sur mon ranger, c'est plus de dégâts dans le 1000 ou alors des dégâts d'arquebuse. Parce que moi c'était vraiment principalement l'arquebuse et après le canon. J'utilisais pas l'arc du tout. Même maintenant l'arc, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a les flèches explosives. Mais je pense pas que ça soit très très utile, honnêtement. Mais bon, flèche explosive, ça serait cool. Mais vu qu'ils ont nerfé le truc. Le tir de l'aigle ou la concentration de l'aigle ou je sais plus quoi. Donc c'est plus trop intéressant. Mais par contre ça c'est bien là, le Saika il récupère un bonus dans le 1000 de 20%, c'est bien. Après il y a un autre set qu'on avait vu du DLC qui fait dégâts d'arquebuse, je crois. 20% je crois. C'est intéressant. C'est intéressant. Mais ouais, faut voir combien de pièces c'est, parce que je me rappelle plus. Ah, c'est ce nouvelle grâce que je parlais là, Omoikane. Donc vie, dégâts d'attaque élémentaires, puissance de jutsu, donc c'est pas ninjutsu ou omnio, c'est les deux. Augmente votre puissance de ninjutsu et de magie omnio. Et après il y a dégâts objets jutsu, donc dégâts, augmente les dégâts infligés par les objets ninjutsu et magie omnio de 10%. Donc ça c'est la puissance, ça c'est les dégâts purs, donc vous faites 10 de dégâts, bah vous rajoutez 10% plus. Après on a encore de la puissance, 70 cette fois, et après on a jutsu intact, 30%. Accorde une chance à vos objets de ninjutsu et de magie omnio, de votre inventaire ne diminue jamais. Donc c'est pas mal, c'est intéressant. C'est intéressant si vous mélangez les deux. Alors, pourquoi c'est 30%? Parce que les autres c'est 15% à chaque fois. Pourquoi c'est plus haut là? Parce que si de base vous mélangez les deux, ça veut dire que sur les parties de l'armure,
Je pense pas. Non, si, je crois qu'il y a une partie où vous pouvez avoir les deux. Et encore, je suis pas sûr. Non, c'est sur les accessoires où vous pouvez avoir les deux. Certains accessoires. Mais vous pouvez pas avoir Ninjutsu illimité et Omyo illimité, en fait. Donc, du coup, vous allez pas être à genre 60% illimité en magie Omyo. Je crois que c'est dans les 60% le maximum. Peut-être un peu plus maintenant. Mais du coup, vous allez pas avoir ça. Donc, du coup, c'est embêtant. Après, si vous voulez vraiment du pur Omnio illimité, on peut utiliser ce set là et mettre que de la magie Omnio illimité. Donc du coup, au lieu de 15, vous avez un 30%, parce que le set de Genmei là, c'est Genmei je crois, ouais c'est celui-là, donne 15%. Enfin, non, Genmei, ça c'est l'ancien set, hein. C'est du... Ça, on va le foutre dans la réserve. C'est du deuxième DLC, moi c'est ce que j'utilise, là, le... Voilà, ça. Ah, putain, Tsukiyomi, voilà. Tsukiyomi, c'est 15%. Mais du coup, vous aurez pas défense réduite, puissance... Enfin, la puissance, après, ça va, parce qu'il y a 50 et 70, donc ça se vaut. Mais bon, il y a dégâts 15%, ça c'est, voilà, c'est quand même mieux, je pense, d'utiliser ça, même si vous avez un peu moins de pourcentage. Mais ouais, du coup, vous pouvez quand même faire un set qui utilise les deux. Donc, ça, je trouve ça très très bien. Parce qu'en plus, j'en parlais en stream, parce qu'il y a des gens qui disaient « Ouais, moi j'aime bien machin, ça, ninjutsu et tout ça. » Et moi j'avais dit « Ah, ça serait que, vu qu'il y a des ninjutsu élémentaires, ça serait pas mal de pouvoir faire ninjutsu et omnio. » Et après je disais « Ouais, mais au final non, ça sert à rien, parce que de toute façon, on peut seulement avoir... Pourquoi j'avais sauvegardé ça, moi ? Je sais pas. On peut seulement avoir un seul illimité sur les équipements. » Donc du coup, ça servira à rien. Ça serait pas efficace. Voilà, ça serait pas efficace. Taux de butin d'accessoires de T de 50%. Mais là, bah, du coup, vous pouvez le faire. Vous pouvez complètement le faire. Je sais pas à quoi ça servirait. Moi, dans les ninjutsu, ce que j'aime bien, c'est les bombes. Donc on pourrait faire, je sais pas, balance de bombe. Genre je suis sûr que... On peut aussi mettre le set du samouraï et de l'araignée là. Oh, il y a Saru, Taek, Ikko en gouverneur. On va le garder. Ah oui, solide comme un roc aussi, je voulais tester. Dégâts, bonus de dégâts, PV perdu. Pas mal ça. Ouais, ça accélère le tir des bombes. Je suis sûr qu'il y a des sets qu'on peut utiliser qui sont pas vraiment trop demandants en nombre de parties en fait qu'il faut équiper. Ah, et on pourrait un truc que je pourrais faire, c'est une version tank avec des armes éveillées, et enfin corrompues, et après avec une version genre celle-là, avec la purification. Izanagi. On pourrait faire ça aussi. Mais ouais. Je sais pas, moi j'aime bien les bombes. Les grosses bombes et tout ça, là. Ça explose, donc ça stun un peu les gens et tout. Ça, on va le garder, ce sera pour mon ranger. Bon, il y a encore un Magatama. Bien sûr, après, il y a toutes les ninjutsu là qui sont élémentaires, qui font très 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 mal. Ils sont complètement abusés. Attendez, merde. Qu'on vérifie avant de partir. Flamme furieuse finie, crépuscule fini.
peau envahissante finie, il n'y a plus rien. Voilà, on est au crépuscule maintenant. Très bien. Ben voilà, moi je vais m'arrêter un peu là. Bon, on va d'abord faire le thé caché là, voir ce qu'on a récupéré. Il y a tellement de choses à tester maintenant, c'est encore plus qu'avant. Donc ça rend la farm, j'ai envie de dire, limite infinie. J'ai envie de dire. Je devrais regarder ce qu'il veut des fois le thé là pour le pour trad, enfin échanger des. Merde, pas transfert. Échanger des objets pour gagner de la réputation. Comme ça je pourrais prendre vraiment les objets que je veux avec la réputation. C'était des hachettes. Bon, c'est pas grave. Mais ouais. Du coup, je me dis, ce serait bien d'avoir sur PC, comme ça on a un trainer et on peut se faire pop les armes qu'on veut, avec les stats qu'on veut, comme ça on peut tout tester facilement. Ah, parce qu'il y a de nouveaux objets, genre défense de cauchemar et tout ça. Ça c'est nouveau, c'est du DLC 3. Donc ça serait bien d'avoir plein de points de côté pour pouvoir les acheter. Mais ouais. Bon, ça sera tout. On continuera la prochaine fois, donc on est au crépuscule, on est à mi-chemin. On est presque à la fin du jeu, puis après il y a les 3 DLC. Donc ça va, ça avance bien, ça avance très bien et c'est plutôt fun de jouer comme ça tant qu'on récupère pas mal de nouveaux stuff et tout ça. Voilà, à la prochaine ou à tout de suite. Ciao ciao. Bonjour et bienvenue pour du Nioh 2, on continue. On continue, on continue, donc on est au crépuscule. On a fini toutes les missions principales de l'aube, ombre, essor, réveil. Moi, entre-temps, j'ai fini les missions secondaires de essor. Donc, on va regarder un peu ce que j'ai dans l'inventaire, voir s'il y a des choses intéressantes. Et on va montrer des nouvelles attaques. Des nouvelles attaques, oui. Alors, je sais, sûrement des gens ont dû gueuler. Les gens aiment bien me gueuler dessus, apparemment. Les gens ont dû me gueuler. Il y a des nouvelles attaques, regarde-les. Il y a des nouveaux coups que tu peux avoir. Oui, maintenant, je sais, je suis au courant. Donc, on en a 3 pour la hache. Donc, on a ça. Qui est très intéressant, je vais le montrer après en dojo. Et après on a ça. Alors c'est une attaque, mais il y a une combinaison après. Enfin il y a un coup en plus. Donc voilà, en gros c'est deux mouvements, deux nouveaux mouvements. Après le reste, il y a rien d'autre. Donc je suspecte que chaque arme a sûrement des trucs un peu nouveaux. Honnêtement, je sais pas trop, parce que après je connais pas trop les autres armes. Non, ça aussi on connaît. Enfin, en tout cas, je vais montrer la hache. Hein. Okay, ça. Ah, ça. Ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau. Alors, coup du tonnerre. Tenez votre arme en l'air alors que vous concentrez votre énergie pour infliger un coup dévastateur à l'ennemi. Si vous êtes touché... En vous préparant à la frapper, la puissance d'attaque de votre coup vers le bas sera améliorée et l'ennemi sera mis à terre s'il est humanoïde. Ouh la vache. Ouh, ça c'est bon ça pour moi. Oh. Ah, intéressant. Intéressant parce que l'audacier en fait il a des coups assez bien. Moi comme ça par exemple, j'aime bien ce truc là. Je sais pas pourquoi je le trouve cool. Ouais, ça peut être intéressant. Surtout ça, si vraiment c'est extrêmement puissant, ça va très bien en fait avec ma façon de jouer, genre de me prendre des coups pendant qu'on charge. Et je crois que pendant qu'on est en charge, comme ça là, c'est comme ça par exemple. Quand on est en charge comme ça, on est considéré comme en attaque. Donc tout ce qui est réduction de dégâts pendant qu'on attaque, ça fonctionne. Je suis quasiment sûr de ça. Donc ça c'est intéressant, très très intéressant. Donc en tout cas je vais vous montrer la hache. Ouais, on va peut-être sortir un Odashi, on va peut-être faire hache Odashi. Ça fait deux grosses armes mais bon. Et l'Odashi aussi peut absorber l'anima, donc pour moi c'est pas mal. Parce que c'est vrai que le katana je l'utilise pas quoi.
Bon, après, je vais pas vous montrer toutes les attaques de toutes les armes. On va pas regarder toutes les petites vidéos. On va juste montrer la hache. Alors, bon, le problème avec le coup de la hache, là, l'esquive, bon, c'est que ça marche que en posture moyenne. Alors, ce qui est bien, c'est que... Donc, vous allez esquiver votre attaque. Et après, l'attaque, en fait, qui est sur votre touche triangle, va être chargée beaucoup plus rapidement. Donc, par exemple, là, il a cette attaque. Donc là, ça va être chargé beaucoup, beaucoup plus rapidement. Donc, je vais vous montrer la vrille, par exemple. Donc, ça, c'est la vrille. Le temps qu'elle met pour charger. Voilà. Ok, ça va, vous avez ça en tête. Ok, c'est parti. Alors, je suis mauvais en timing. J'y arriverai vraiment pas, donc... Ne vous moquez pas de moi. Ok, c'est bon. Oh là, vous avez vu? La charge. Vous avez vu la charge? Après, le quand appuyer sur L1, c'est un peu compliqué, honnêtement. Parce que j'ai un peu du mal, en fait, à timer. Je crois qu'il faut quand même appuyer bien avant que le coup vous touche. Parce que sinon, ça part en contre. Je sais pas, j'ai du mal à expliquer. Honnêtement, je saurais pas comment expliquer le timing. Le timing du L1, je saurais pas comment l'expliquer. J'arrive pas bien à saisir si c'est vraiment un peu plus avant que le coup me touche, ou alors si c'est juste avant. Je saurais pas expliquer. Il va falloir que vous vous entraîniez vous-même et que vous preniez le coup de le faire, honnêtement. Mais c'est intéressant. Donc du coup, vous pouvez jouer avec ça. Et complètement, en fait, utiliser les touches de triangle de la position haute. Alors, ce qui est pas mal, parce que vous avez trois coups. Donc, on a le chargé, celui-là. On a... bon, honnêtement, ça, c'est pas vraiment intéressant de le mettre sur la touche moyenne. Enfin, personnellement, je pense pas. Parce que le tracking, il est pourri de cette attaque. C'est un peu ça, le problème de cette attaque. Moi, je l'ai utilisé pendant un petit moment. Et le tracking, il est très, très, très mauvais. Donc si vous avez un ennemi qui reste pas devant vous, c'est mort. Par contre ça peut être très puissant. Et après bon la vrille qui est moi je vais rester sur la vrille, mais voilà, vous avez que le choix de la position moyenne. Donc ouais, après c'est comme vous voulez. Mais ouais, moi ça pourrait être je sais pas. Après, je pourrais mettre le grondement de la terre sur la posture moyenne, mais il va falloir que je prenne l'habitude. Et je mets la vrille sur la posture basse. On pourrait faire ça. Techniquement, je dirais que c'est plus intéressant. J'avais mis quoi sur le grondement de la terre? Augmente les dégâts infligés. Je vais voir un peu si c'est vraiment intéressant. C'est vrai que ça va plus vite quand même. Ça c'est le normal. Ça c'est le rapide. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop. Ouais, on va changer, on va s'habituer peut-être. C'est vrai que ça aurait plus de sens, peut-être. Parce que la vrille, en fait, il faut la faire à des moments bien précis. La vrille, c'est-à-dire que quand l'ennemi ne bouge pas vraiment et que vous êtes prêt à lui foncer dessus et tout ça, que vous pouvez vraiment enchaîner les coups. À la limite, oui. À la limite, oui. Grondement de terre. Là, on va mettre vrille. Et on va faire... Augmente l'anima obtenu 50% touche sur l'adversaire.
Le grondement de terre, je sais pas quoi lui mettre honnêtement. Faire 5% d'activité de 20%, mais elles consommeront moins de ki. Restaure 5% de vos PV max en éliminant un ennemi. Augmente les dégâts infligés sur certaines compétences actives, mais pourrait pas effectuer une ki. Ok. On va faire le téméraire. Voilà. Est-ce que ça, après, c'est un truc qu'on va souvent utiliser, genre le d'esquiver? Honnêtement, pas vraiment. Alors, après, il y a aussi, donc... je prends beaucoup de temps, en fait, pour expliquer des petites choses comme ça. Après, on a, donc, ça. Alors, ça, c'est intéressant parce que, en fait, en posture moyenne, il n'y a que... Il n'y a qu'une attaque, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est... Attendez. Triangle à la fin d'une... Oui. Triangle à la fin d'un combo. Il n'y a que ça. Alors ça, c'est dévastateur niveau ki. C'est vraiment dévastateur niveau ki. Bon, bien sûr, faut qu'il se bloque. Allez. Vous avez vu la jauge de ki qui est partie avec cette attaque? Par contre, vous voyez que ça fait vraiment pas de dégâts. Voilà, ça fait... Parce qu'on tape pas avec le tranchant de la hache. On tape avec le... Avec le plat, en fait. C'est pour ça que ça détruit le ki. Vous voyez? Bon, d'accord. Ça va. Donc voilà, c'est un peu le problème de la hache, c'est que du coup, cette attaque... Alors, est-ce qu'elle est bien sur des gros yokai, des boss et tout ça? Pff, ouais, mais honnêtement, je préfère spammer ça, par exemple. Je préfère complètement spammer ça, parce que là, vous faites des dégâts et vous détruisez le ki aussi, ça tape plusieurs fois. Donc du coup, c'est vraiment un truc que j'utilise contre les humains, et basta. Et basta, donc du coup, on l'utilise pas énormément. Par contre, maintenant, on a donc cette nouvelle variante. Donc c'est moyenne et basse. Et je la trouve intéressante parce que je pense que le coup de pied, en fait, va remplacer le coup du flanc de la hache. C'est-à-dire que ça va faire des bons dégâts niveau ki, j'imagine, hein, j'imagine, je sais pas encore. Et après, vous allez taper avec la hache qui va faire des dégâts, tout simplement, avec la hache. Donc je pense que ça peut être très très intéressant comme attaque à remplacer. Après, moi, pour... Après, on peut. Moi, j'ai une prise sur l'attaque basse de la hache. Je l'aime bien, en fait, cette prise. C'est pour ça que je la laisse, c'est celle-là. Mais on peut mettre autre chose. On peut mettre autre chose, on pourrait mettre ça. Et du coup, on pourrait aussi mettre le coup de pied avec le coup de hache. On pourrait le mettre en position basse. Mais bon, moi, j'aime bien le coup du nuage, là. C'est marrant. J'aime bien surtout envoyer valser les gens, c'est drôle. Ok, on va sortir. Mais voilà, je pense que ces deux choses sont pas mal. Alors l'esquive, comme j'ai dit, vous n'avez pas à la faire souvent. Mais bon, c'est là, c'est bien. Moi, je pense que vous allez la sortir en fait par erreur. C'est-à-dire que si vous jouez un peu comme moi, bourrin et en plein milieu du monde, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, vous allez vouloir parer en fait l'attaque. Parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vous tapent en même temps dessus. Et vous allez la sortir et du coup ça vous fera une attaque gratuite en fait. Avec l'attaque triangle, une attaque chargée gratuite. Donc voilà, c'est pour ça que je la mets. Alors, sinon. Dégâts de mêlée sur les ennemis empoisonnés. Tiens, ça c'est intéressant ça. C'est le vicissitude de la vie plus. Intéressant. Pas mal. Après vous me direz si vous aimez, parce que moi je me suis dit peut-être que ça peut être intéressant de à chaque fois de montrer un tout petit peu l'équipement que j'ai trouvé, si on trouve des trucs genre complètement pétés ou je sais pas quoi. Là on a un katana avec Magatsui, on a déjà un katana avec Magatsui. Celui-là, il a un truc orange, on le garde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dégâts d'armes élémentaires. Ah oui, ça c'est nouveau aussi. Alors, Okuninushi.
C'est aussi nouveau, putain. Pourquoi à chaque fois je tombe sur des haches qui ont diadé la mystique? C'est jamais une que je peux utiliser. Bref. Alors, on a transmission élémentaire, ça c'est nouveau. Alors, quand vous passez d'une arme imprégnée d'un élément à une autre, l'arme suivante hérite de l'élément de votre arme précédente. Cela allonge la durée de l'imprégnation de base de votre arme. Alors, moi je le traduis du fait que, en fait, si vous avez une arme qui est imprégnée de feu, vous sortez votre deuxième arme et en fait l'imprégnation de feu va passer à votre deuxième arme. Alors après, ils disent que cela allonge la durée de l'imprégnation de base de votre arme. Je sais pas trop ce que ça veut dire, genre on pourrait virtuellement rester à l'infini si on fait que switcher d'arme, je pense. Un truc comme ça peut-être, parce qu'à chaque fois ça doit allonger en fait la durée. Mais en tout cas c'est intéressant, c'est très très intéressant. Après on a des dégâts d'armes élémentaires en plus. On a l'âme, alors l'âme d'ardente, c'est pas ardente, c'est d'ardente. Alors en utilisant une attaque éclair, lorsque deux armes de type différent sont équipées, alors faut faire deux armes différentes, faut faire attention à ça, les dégâts de l'attaque éclair sont augmentés et vous recevez le bonus du statut l'âme d'ardente. Ce statut réduit votre consommation de ki quand vous exécutez des attaques de mêlée et accélère votre restauration de ki. Cet effet spécial n'est pas déclenché si vous êtes déjà sous l'effet de l'âme d'ardente. Donc il faut faire une attaque éclair quand vous avez deux armes de type différent. Donc c'est pas mal. Et après vous avez des dégâts d'armes élémentaires encore une fois. Donc je pense que ça aussi ça peut être très intéressant comme, comme set. Si vous êtes peut-être... Je dirais par contre il faudrait peut-être des armes rapides j'imagine. Je sais pas. Mais en tout cas c'est intéressant comme, comme nouveau set. Enfin comme nouveau... Ah tiens, constitution, symbol, réserve. Comme nouvelle grâce. Ouais, elle est pas mieux en fait. Elle est pas mieux. On a quoi? Dégâts de compétences. Transmission de grâce. On va le garder parce que si jamais, pour une telle raison méconnue encore, on veut cette grâce là, on pourra la mettre. Voilà, alors arquebuse. Le reste on détruira. Qu'est-ce qu'on a en casque? Est-ce que j'ai des trucs intéressants à montrer? On a le sang du yokai. Alors ça, dégâts de mêlée. Ouais non, c'est électrique, on connaît. Alors officiant dévoué plus. Il y a des mises. Ah oui, ça c'est le bâton. Ça c'est le nouveau. Ça je suis quasiment sûr, ça c'est le troisième DLC. C'est pour le bâton. Et vous avez vu, oui, restauration de PV avec une purification de 1000. Restaure des PV lorsque vous effectuez une purification. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc vous pouvez vraiment jouer le moine en fait, parce qu'en gros c'est roleplay un moine avec cet équipement. Et vous pouvez jouer au moine bâton, donc c'est intéressant. Honnêtement ce set est intéressant, surtout pour vous remettre des HP et tout ça. Genre j'imagine que pour soloter et tout, c'est vraiment très solide. Si vous pouvez à chaque fois vous remettre un 1000 d'HP aussi facilement. Chaque fois que vous faites une purification. Après vous utilisez la magie Omnio, ça permet de purifier automatiquement. Donc bon, c'est fun. J'ai envie de dire, c'est fun. Dégâts de mêlée indemne, 12%. Pas mal, pas mal. Ouh, vie 74, on va le garder ça. Alors, mystique. Après, on n'a pas l'air d'avoir limité 5%. Dégâts des armes de G. Ça aussi les armes de G, enfin je l'avais expliqué déjà, j'en ai plein. Quand tu es du démon rêveur, ah oui ça on veut. Très bien parce qu'on voulait des parties, putain il y a plein de dégâts de mêlée, réduction de ki en attaque de mêlée, dégâts de compétences d'esprit protecteur et la cloche d'argile. C'est pas mal ça, c'est pas mal. C'est pas mal.
Ouais, c'est le set de d'Otakemaru, peut-être qu'on va peut-être utiliser plus tard. Mouvement rapide avec les frappes d'objets au milieu. Ah, tiens, en parlant de ça, j'ai trouvé des accessoires. Je l'ai verrouillé, je vais le montrer après. Bonus d'attaque avec l'endurance. J'ai enfin trouvé un accessoire avec ce que je disais là, les nouveaux effets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. Alors, ah, c'est ça. Diminution de vitesse d'action avec la frappe ninjutsu. Et moi, j'avais dit que ça existait. On m'avait dit que ça existait avec la frappe de Magie Omnio. Donc, du coup, vous avez ça qui existe. Voilà, vitesse de mouvement et d'attaque réduite. Donc, c'est vraiment... En plus, c'est pas genre seulement vitesse de mouvement. Parce qu'il y a les deux, en fait. Il y a vitesse de mouvement et attaque. Donc, ça, c'est vraiment, en fait, le talisman de paresseux. C'est vraiment ça. Donc il suffit juste de toucher avec un ninjutsu, un shuriken par exemple, et hop, ça ralentit directement. Donc vraiment, vraiment, vraiment cool. Vraiment sympa. Attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Après j'ai trouvé des nouveaux Magatama, mais ils ont rien de très spécial. Ouais. Après, il n'y a rien d'autre. Quoique, c'était quoi ça? Auto-restauration et dégâts d'objets. Ah oui, il y a aussi ça maintenant. Il y a aussi ça. Dégâts d'objets de jutsu. Sur les accessoires et tout ça. Donc, ça marche sur les deux. Donc, intéressant. Très intéressant. On va récupérer tout ça. On va aller au café. J'ai passé quoi, 20 minutes à parler de ça? Ah, très bien. Allez, on y va. Alors, 81, 87, 85. C'est parti. Donc ouais, vraiment, vraiment cool. Ces nouvelles choses là. Ça donne vraiment envie de refaire des builds, mais bon, pff, oh la vache. Vous imaginez, si vous voulez vraiment être optimisé à fond, le temps de farm que ça peut prendre. J'avoue que c'est un peu beaucoup. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Fallait bien que je le fasse. Hein. On vient de l'apprendre, j'allais bien que je le fasse. Qu'il a. Là, je voulais faire une toupie et je me suis loupé. T'as perdu tes cornes déjà? C'est con. Hein. Ah, très bien. Ah oui, cette mission va être un peu longue. Il y a les cloches qu'on peut faire tomber et tout ça. On va peut-être pas tout faire, on les entend déjà les cloches. Comme j'ai dit, hein, on va assez vite. Oh putain, il m'a fait peur ce coup. Ah
honnêtement dans un coin de bien pourri. On les entend, je sais pas si vous les entendez. Très bien. Ah putain. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Les dégâts que tu fais, toi. Attends, est-ce qu'il y a l'autre con là? Ouais. Pardon. Je vais pas tirer. Oh non. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Voilà. Saloperie d'araignée. Il fallait me tuer. Il a failli me tuer. Ouais, parce que ça, ça ralentit en fait mon mouvement, mais par contre mes couilles sont pas ralenties, donc quand je disais que le truc de l'accessoire est bien pété, il est bien pété. Quoi? Tu viens de te relever en faisant une attaque rouge? Intéressant. Intéressant, peut-être nouveau, ou alors j'ai pas trop fait attention, je sais pas. Très bien. Mon dieu, les dégâts. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Il y a un truc qui va se passer aussi. C'est que quand on aura cette nouvelle attaque là. Quand on aura cette nouvelle attaque à coup de, avec le coup de pied et tout ça, c'est que je vais rester en position moyenne plus souvent. Parce que, comme j'avais dit, le coup triangle là, de la fin de combo fait pas beaucoup de dégâts en soi. Donc je me mets souvent en posture moyenne, en fait, enfin vous l'avez sûrement remarqué, contre les humains. Mais après, contre les pour tout ce qui est yokai, je reste en position haute. Là, du coup, peut-être qu'on va un peu changer. Je sais pas pourquoi j'essaye de faire la vrille, ça marche pas de toute façon avec cette merde. What? Elle bouge bizarrement les araignées.
Hein ? On est mal là. Ouais. Très bien. Non, y a rien là. On va continuer. Ah oui, il y a un coup aussi. Il y a ça. Ça, c'est le lard secret, en fait, de la hache. Il faut... Par contre, il marche que quand je contre. Quand j'arrive à contre. Si j'y arrive. Non, j'y arrive pas. Non. Non. Il va me tuer. Hein. Il va me tuer, ce con. Okay. J'arrive pas. Pas ça. En fait, faut qu'il tape quand je fais ça, mais j'y arrive pas. Parce que je suis nul, ok. Ok. Alors peut-être que ça marche pas vraiment. C'est bizarre. Non, j'y arrive pas. Bon. Tout ça pour dire que... Moi, j'aurais pas dû me soigner. Ça pour dire qu'il y a une attaque qui est assez qui est pas assez intéressante, qui est nulle, c'est ça. En fait, ça fait cette attaque, mais vous restez tellement exposé pendant que vous la faites qu'elle est complètement inutile et elle se déclenche pas en fait automatiquement. Enfin, elle se déclenche pas quand vous appuyez sur le bouton, vous faites juste ce mouvement en fait de hache et il faut que quelqu'un en fait tape pendant que vous faites ce mouvement. Donc vraiment une perte d'habilité, honnêtement, c'est vraiment nul. Par contre, du coup, vu que j'ai pris ça, ce nouveau coup, maintenant j'ai ça. Donc on va peut-être l'utiliser. Je crois qu'il est un peu plus facile à sortir, en fait. Et surtout, vous n'êtes pas exposé. Parce que là, je voulais vraiment le montrer, en fait. Mais j'arrêtais pas de me louper. Vous restez vraiment exposé. Ça, c'est un peu embêtant. Ouais, c'est ça. Donc nous... Voilà, là vous pouvez faire un coup en fait. Vous voyez? Donc même si vous loupez le contre, l'attaque parée en fait, même si vous la loupez, vous la parez pas, vous allez quand même faire une attaque, donc c'est pas perdu. Alors que l'autre, c'est complètement perdu en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Ah mon dieu! Attends, on peut monter? Ouais, on peut monter, ça va. Ils font très mal, hein, ces cyclopes. Ils font très mal. Je me demande aussi s'ils sont pas dégâts augmentés quand vous êtes genre en feu, ou saturé, etc. Par rapport à leur élément. On n'a pas fait toutes les cloches, hein, mais bon. C'est pas très grave. On a plus de régène. Il fait des éléments lui? Non, je crois pas. Tourne un peu autour. Ah mon ma vie, ouais.
Intéressant, on a plus de... C'est pas grave, on devrait le tuer. Voilà. Quand je charge, je suis... Ouais, j'avais dit que j'étais quasiment positif. Honnêtement, je suis très positif parce que ça le fait souvent. Quand je charge cette attaque et que les mecs me tapent, je prends quasiment rien. Et du coup, ils restent devant moi et puis... Bah, ils se prennent une baffe, quoi. Mais vous avez remarqué, j'ai un peu de mal, hein. J'ai un peu de mal, parce qu'on a changé deux attaques de mage. Ça y est, c'est fini, on les a intervertis. Je sais plus sur quelle posture me mettre. C'est très très chiant. Oula. Ta charge conscience, c'est mutation yokai prolongée. C'est intéressant, ça. C'est intéressant, ça. Très bien. On va passer. D'accord. C'est qui le maître des lieux ici? J'imagine que c'est quelqu'un en bas. J'imagine que c'est quelqu'un en bas. On va pas aller en bas. Ça, c'est juste au cas où si on crève par Shibata. Il m'étonnerait qu'on crève. Shibata est pas très compliqué pour moi. Parce qu'il est gros, donc on va faire la vrille et tout. Utiliser juste un truc au cas où. L'autre il est en train de tout remonter. On le voit, il est en train d'essayer de remonter, je crois. Ok. Vous avez vu, on a mis feu à Shibata. Waouh, quel beau combo. Je rappelle que Shibata, il est de l'élément feu. Hein. Shibata, il a une grosse défense contre le feu. Mais ça, c'est les boules. Ces boules-là, elles sont vraiment top.
ces boules qui tournent autour. Là. Même pour un mage Omnio, parce qu'on peut tirer des boules de feu, mais les boules de feu, en fait, on va dire qu'on peut pas les tirer que genre comme une mitraillette, donc on les tire pas assez rapidement. Donc je pense que c'est quasiment impossible de mettre le feu à Shibata par le biais de la magie Omnio normale, en fait. Par genre le tir de feu, je pense pas que ça passe. Mais par contre, avec ce feu-là, avec les boules de feu là qui tournent autour, vous vous mettez contre lui et vous faites des attaques lourdes. Donc du coup, ça envoie des boules. Et celles-là, elles sont hautement inflammables. C'est comme l'eau et la foudre. Ça met le debuff en fait quasiment instantanément avec une seule boule. Donc c'est vraiment pratique pour ça. Donc comme je disais, peut-être que pour un mage Omnio, d'utiliser ça à la place. Ça peut être intéressant parce que vous utilisez une magie et vous utilisez en fait, vous avez 4 tirs avec. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être pas mal. Bon, après, c'est un peu plus demandant. Pourquoi j'ai des. Ah oui, c'est vrai que j'ai appris des nouvelles choses. Genre, ça vaut 3.3. C'est beaucoup à chaque fois. C'est très, très. C'est énorme. 3.3. Alors que l'autre, c'est 0.7, je crois, le tir de base. 0.6 même. Mais si. Ouais, si vous pouvez quand même. Si vous êtes une sorte de mêlée. De mêlée mage Omnio, honnêtement, c'est beaucoup mieux d'utiliser ça que de mettre des simples tirs. Genre les talismans de tirs de feu et tout ça. Les tirs ne servent plus à rien à un certain moment. Le tir de purification peut être sympa si vous utilisez la purification et tout ça. Mais ces boules sont vraiment, vraiment cool. Depuis que. C'était au deuxième DLC, je crois, qu'ils ont rajouté le. L'eau et la foudre. T'arrêtes de. Bah, vous voyez, j'ai fait l'attaque là, ça fait 1600. Merde, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Pas grave. Je devrais. Oh la vache. Ouais. On n'est pas mort, on n'est pas mort. Parce qu'on a plein de dégâts réduits. Quand on est en état critique. Tiens, mange-le. Coup de hache, toi. Mange-le. Voir un peu si... qu'est-ce que ça fait quand ça contre. On est pas trop tôt. Bon, bref. Il y a un côté satisfaisant de combattre plein d'humanoïdes comme ça, je trouve. Genre de les enchaîner et tout, je trouve ça fun. Bah, c'est parce qu'on est beaucoup plus puissant aussi, c'est un peu normal. Y a un côté fun de défoncer plus faible que soi. Non? Je trouve qu'il y a un petit côté fun. Ah, pour les parchemins, j'en ai trouvé des nouveaux. Ah, que je les montre vite fait. Sous les parchemins. Ok, celui-là, on a quoi? Endurance ultime. Réduction de ki en esquive. Endurance, c'est bien pour moi, par contre. Mais bon, le ki en esquive, ça me sert strictement à rien, donc bon, c'est pas un parchemin intéressant. Mais voilà, j'en ai trouvé des nouveaux, genre or obtenu, genre règle spéciale. Or obtenu, il y a ça aussi, taux de butin de noyau d'âme augmenté, c'est bien.
Taux de butin d'objets célestes plus. Ça, c'est vachement bien. Donc ouais. Il y a des trucs pas mal. Il y a des trucs pas mal. Ah, ça contre, hein. Ça me touche pas. Entre-toi. Ouais. Après, est-ce que c'est très utile et tout ça? Pas du tout. Pas du tout, on s'en tape honnêtement. Mais je préfère mettre ça là que l'art spécial, là, secret, là, qui sert honnêtement à rien. D'accord. Yokuso, on y va, je sais, mais... Quoi? Non, 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 non. J'étais en Onryoki, là. T'aurais pas dû m'attraper. En plus, c'était fait exprès de me mettre à côté. Il est mort de quoi? Du feu? C'est bon, on n'a pas besoin de tuer le reste. Il y a un truc pas mal à faire aussi, c'est mon attaque chargée, là, le coup du bûcheron. C'est comme ça que ça s'appelle. Ouh, capacité yokai efficace toute. Ouh, toi t'es bon, toi. Toi t'es très bon. C'est que ça fait valser, on a vu que ça le... Il a fait un roulé-boulé et tout ça, le mec. Et quand vous tapez en fait quelqu'un qui est dans l'animation de faire un roulé-boulé, ça va directement le mettre à terre. Ça aussi, c'est important de le savoir. Et ça permet avec la hache en fait de taper, après de le mettre par terre, après de taper par terre, etc. Enfin, carnage quoi. Wow, wow, wow. Ah, il y a l'autre qui m'a chargé en fait. Saloperie. Quand tu veux, bouge. Bouge pas surtout, quoi. Qu'est-ce que je l'aime pas, Hanzo? Oh putain, elle... Très bien. Là, tu es la plus chiante. Merde, trop lent. En plus, je perds mon anima à chaque fois. Comme un abruti. Je vois rien du tout. Il est en train de me pousser tout comme un... C'est pas fini. De jouer comme ça. C'est fun de faire ça.
N'a rien laissé. On lui a fait baisser la défense à Honda. Mais fais-le. Et je voudrais récupérer mon... Ok. Moi j'étais un peu con, j'ai voulu... j'ai voulu taper en fait. Au lieu de faire les... genre Onryoki et tout ça. J'ai voulu taper pour récupérer mon... mon ninjutsu... mon Omnio. Oh, t'es sérieux, il réapparaît sur le pont. Ça c'est un peu pute. Ça c'est un peu pute. Non, si. Il est où le chat? Je l'entends le chat. Il est là. On aurait survécu avec le chat. On aurait complètement survécu avec le chat. On est à 3 sur 1, c'est bien. Le bordel, quoi. Ouh, casque à tête de dragon. Ding, désolé, c'est le PS4. Casque à tête de dragon. Je sais pas du tout ce que c'est, si c'est peut-être nouveau ou pas. Ne tapez pas, tapez pas. What? Ah, le chat. Je vois rien là. Il y a un truc derrière, un truc devant. Le truc qui est bien avec Onryoki, vous pouvez complètement délock en fait la cible. Putain, ils sont forts hein. Un truc qui est bien avec les personnages qui nous suivent, c'est qu'ils sont à notre niveau honnêtement. Ils sont au niveau de la difficulté. Donc ils peuvent vraiment tuer des gens. Ils tuent même des demi-boss et tout ça. Donc ça c'est vraiment le bon côté des choses. Ouais, j'étais en train de dire que quand vous faites l'attaque de Onryoki, vous pouvez complètement délock en fait la cible et regarder autour de vous. Qu'est-ce qu'il fait? C'est juste une torche, restez cool les mecs. Ah, donc ça c'est vraiment vraiment pratique. Voilà.
D'accord. Il était en esquive. Attention, ça va faire mal. Ouais. Je crois que c'est un one shot. Hein. Le coup de la hache. Là. Ouh. Défoncé. Toi bien les mecs, toi bien, c'est moi qui m'énerve. Ah, c'est qui rigole comme ça, c'est... On a bien mis le fait de récupérer de l'anima dessus. Augmente l'anima obtenu de 50% en touchant un adversaire avec certaines compétences. Ouais, non, ça marche. J'ai l'impression que c'était un peu lent comparé à la posture moyenne en fait. Mais bon, c'est juste purement. Cool story, bro. Il y a un truc aussi, c'est que quand on fait ça, on n'envoie pas d'onde de quand l'arme elle est éveillée. Alors que tout le reste, oui. Mais celle-là, je peux pas en fait. Enfin non, pardon, j'ai montré les mauvaises touches. Bah non, en fait, non. Non, non, j'ai rien dit. Parce que non, là, je faisais triangle. Et là, j'ai fait aussi triangle. Et là, je faisais le combo. Non, j'ai rien dit. C'est moi qui fais de la merde. Qui dit de la merde. Laissez tomber, c'est le cerveau qui va mal, c'est pas grave. Ça arrive. Ça arrive. La vache, tout ce qu'on a. Ça, on va le garder. Ah, on peut monter de niveau. On peut monter de niveau. S'amuser là. J'ai autant de mal avec mon ki. Parce que j'arrête pas de matraquer les touches, c'est pour ça. Mais lui, il a du mal avec sa vie par contre. Donc ça va. Pourquoi vous pouvez ?
C'est lui, ok. Oh, homme à couronne étrange. Cool. Je les trouve un peu gâchés, ces monstres-là. Parce qu'ils sont, ils ont l'air vraiment cool. Mais ils sont... Alors déjà, ils sont pas très très agressifs. Ils ont pas de vie du tout, par contre. Ça, c'est un truc abusé. Ils ont vraiment pas de vie. Et ouais, ils sont juste pas... Pas dangereux, quoi. Pourtant, ils ont un design assez cool. Hein. Avec leur petits nuages et tout ça, c'est vraiment sympa. Mais ouais, ils sont... Honnêtement, ils sont aussi dangereux qu'un Gaki, quoi, j'ai envie de dire. Et encore, les Gaki, ils sont plus dangereux parce qu'eux, ils peuvent te grab et tout ça. Lui, son grab, faut qu'il se mette sur son nuage. Donc on a le temps de le voir venir, en fait. Donc bon. On a le temps de le voir venir, son grab. Ah, Tokishiro ici. Tokishiro. On va faire un peu de ça. Un peu de ça. Je sais pas trop ce qu'il va nous donner Tokishiro, donc on va faire full. Tiens, ce qu'on peut faire aussi, c'est... Pour les boss aussi, je pourrais faire appel aux cloches. Hein. On en a deux, là. Ah, par contre, on va boire ça, parce que sinon, entre le feu et la foudre, là, il va nous massacrer. J'ai pas mis le ninja dessus. Ah, parce que lui, il se buff et tout... You are already dead. Oh. Ah oui, bah c'est les humains, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Les humains massacrent un peu. Ouais, non, y'a pas à dire autre chose, quoi. Après, bon, le fait d'avoir ajouté deux chats, bon, c'était peut-être un peu overkill. Ah, je vais pas dire le contraire. C'était légèrement overkill. Alors, le bâton. Moi, j'utiliserais bien ça, mais il faudrait avoir des bonnes stats dessus. Parce que nous, à la place, on a l'augmentation d'attaque, en fait. Bon, après, tout est bien, en fait, sur ce parchemin. J'avoue que, bon, j'ai eu de la chance. On a drain de vie lorsqu'on tue. Donc on récupère 300 et quelques HP quand on tue, c'est bien. De la tactique anti-humain, donc c'est pour ça qu'on les défonce, les humains. Et après, on a dégâts subis moins. Donc, oui. Oui, c'est... Hein ? Ça va être compliqué d'avoir un parchemin qui est aussi bien, quoi. Va falloir vraiment... Genre là, moi, je voudrais bien l'endurance ultime. Et en plus, l'endurance ultime, j'avais testé. Apparemment, c'est pas vraiment très très intéressant. Débloque le rang AA en agilité et résistance, et apparemment ça fonctionne pas vraiment bien. Mais ça, c'était quand ils l'ont avec le DLC 2, quand ils venaient juste de le sortir, en fait. Donc peut-être qu'avec maintenant les mises à jour qui sont sorties, donc on est à la 1.20, 1.20, peut-être que c'est mieux, peut-être que ça a été retravaillé ou alors corrigé ou quoi que ce soit. Mais ouais, faudrait voir.
Mais sinon, ouais, c'est pas extrêmement utile. Moi, il y a un truc qui pourrait être intéressant, c'est... je crois c'est la constitution à 150. Je crois que c'est récupérer de la vie. Mais ça a l'air super rare, constitution. Je crois que c'est ça. C'est encore endurance. On a le cœur, ça c'est pour le ki. Ça aussi, ça pourrait être intéressant, mais bon, moi je suis pas cœur. Je vais regarder deux secondes. La dex, c'est pour le ninjutsu. Ouais. Constitution. Alors, requiert un. Alors, permet à vos PV de se restaurer rapidement lorsque vous avez 70% de santé ou plus. Donc, faudrait voir ce que ça donne. Ça, il faudrait complètement voir ce que ça donne, constitution à 150. Moi, personnellement, si je continue dans mon tank, je mettrai constitution à 150. Et l'endurance. Le courage, c'est pour la... Je sais pas pourquoi j'ai mis courage à 100. Je sais pas. C'est pas pour les armes. Je crois que ça a augmenté ma hache un peu. Et bah, fin, après, c'est la restauration de ki, c'est intéressant aussi pour moi. Mais vu qu'on est toujours dopé à la magie Omnio, peut-être pas vraiment intéressant. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de... Enfin, de toute façon, on n'a pas vraiment de bon parchemin avec constitution ultime. Si on trouve un parchemin avec constitution ultime, je me respecte. Et je mets 150. Un bon parchemin, évidemment. Mais ouais, je me respecte direct et je mets 150 de constitution. Ce que je veux... J'ai jamais encore testé ce régène. S'il faut, c'est de la merde. Hein. Mais entre genre, si on a toujours plus de 70% d'HP, on régène beaucoup plus vite. Et après, si on est en dessous des 30%, on prend beaucoup moins de dégâts. Enfin, c'est vachement bien, parce que on est protégé, en fait, dans les deux côtés, si on a beaucoup de vie et si on n'a pas beaucoup de vie, en fait. Donc c'est vraiment intéressant. Je vais faire une petite pause. Je vais couper. Je vais faire ça, moi. Je vais faire le parchemin, celui-là, vite fait, pour voir un peu si on a des bonnes stats. Et dans un sens, j'ai peut-être envie de tester la constitution ultime. Peut-être envie de tester, mais il va falloir que je ferai les 4 combats. On va voir si j'arrive à avoir des statistiques intéressantes. Il me faudrait l'augmentation de l'attaque, en fait, à tout prix. Ouais, ok. Petite pause, je reviens et après on continue. Nous sommes de retour. Donc, j'ai fait une toute petite pause, pas longtemps, en fait. Donc j'ai fait 2 fois ce parchemin et ben, je suis tombé sur des bons trucs. Je draine vie, virtuose du coup de grâce et augmente l'attaque. Quand il est mis à court de ki, donc c'est exactement ce que je voulais. Donc on a ça, donc augmente les dégâts infligés en proportion de vos dégâts de ki de base lorsque vous effectuez une attaque de mêlée contre un ennemi à court de ki en transpercement ou en coup de grâce. Donc nous allons tester le coup de grâce, peut-être qu'on va faire un peu plus de dégâts, enfin on va voir comment ça fonctionne. Aussi pour l'endurance ultime, donc j'ai dû changer un peu l'équipement parce qu'on doit en fait arriver à 350. Quand on regarde là, vous voyez que maintenant je suis en double A. Mais on doit arriver à 350 en fait pour que ça fonctionne. Et après si on veut l'agilité double A, il faut... merde, qu'est-ce que j'avais testé? Je crois que c'est en dessous des 20% d'équipement. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est en dessous des 20%, vous avez A. Enfin, en dessous des 30%, vous avez A. Et si vous êtes en dessous des 20% avec le parchemin, vous avez double A. Et pour le brise-garde, pour la résistance, en fait, il faut 350 minimum. Donc le problème que j'avais, c'est qu'avec notre ancien équipement, parce que ça, c'est une armure lourde. Moi, j'utilisais une armure moyenne. Donc vous voyez, on passe en dessous, on passe à 335. Pourtant j'avais mis de la brise garde partout et tout ça, mais ça fonctionne pas. Il n'y en a pas assez. Donc on arrive à 335 et du coup bah, ça s'active pas. Voilà, on est en A, on n'est pas en double A. Donc c'est un peu bête, c'est un peu bête leur système, mais bon. J'imagine qu'ils ont mis ces prérequis. Merde, c'est quoi déjà l'armure?
celle-là. J'imagine qu'ils ont mis ces prérequis en fait parce que s'ils le font pas, il y aurait moyen en fait d'avoir les deux en même temps. J'imagine. Si on atteint par exemple... Parce que le A en fait on l'atteint assez facilement. Donc j'imagine qu'il y aurait peut-être des moyens d'avoir les deux en même temps s'il n'y avait pas ces prérequis de moins 20% d'équipement avec 350 de brise garde pour l'un et pour l'autre. Enfin bref. Donc voilà. Donc on va voir. Normalement donc je résiste un peu plus. Hein, j'avais déjà fait des tests. On prendra un peu moins de... honnêtement c'est pas énorme. Mais ça peut nous aider. Et surtout c'est que voilà, c'est que le parchemin était bon. C'est que le parchemin est vraiment bon. Donc j'avais vraiment envie de l'utiliser. Parce que là on a vraiment tout ce qu'on veut. Donc voilà. Tout simplement. Donc on va voir. Sinon de toute façon on repasse sur l'ancien équipement. Donc on était au crépuscule. On va continuer. Il ne reste que plus que le fougueux démon. Donc on va faire ça. Donc voilà. Mais si jamais, voilà, comme j'ai dit, si jamais il y a un problème et qu'on a du... On a un peu... Bah, du coup, on a perdu... Ah oui, on a perdu le plus 50% d'anima quand on a l'arme éveillée. Bon, c'est le problème. Mais voilà. Si jamais c'est la merde, on repasse sur l'équipement d'avant. Mais normalement... honnêtement, vu notre... build pour le... Enfin, vu notre équipement et vu notre... Notre niveau de gear et tout ça, on devrait pas avoir de problème. Mais je suis assez curieux des dégâts en plus qu'on va faire. C'est cool, merci. Bonjour. Attends. Ok. Ils sont vraiment pas... Pas dangereux. Ils sont vraiment pas très dangereux. Ah, les coups de grâce, j'ai oublié c'est lesquels. C'est pas les grabs. C'est le coup de grâce, c'est ce que je viens de faire là, je crois. Je sais plus. Il y a deux différents. Enfin, après, il faudra voir. Enfin, c'est pas grave. De toute façon, pour les... Honnêtement, pour les tests de dégâts, voir si ça en vaut la peine, je ferai des tests de mon côté. Je montrerai. Il faudrait avoir des... exactement le même monstre, avec les mêmes debuffs et les mêmes buffs de notre côté. À chaque fois. Parce que là, je vais pas pouvoir faire le... Non, je vais pas pouvoir faire le test comme ça sur différents ennemis. C'est pas précis du tout. Par contre... Okay, très bien. Normalement, il y a un truc là. Voilà. Normalement, niveau résistance brise-garde, genre le ki qu'on consomme quand... quand quelqu'un nous tape et nous et on bloque est mieux. Je pense que là, par contre, je serais sûrement tombé à court de ki parce que j'étais très bas et au final, je suis pas tombé à court de ki. Donc, je pense que ça fonctionne bien le double A pour moi. Bien. Je pense que c'est assez utile. C'est assez utile. Très bien. Dégâts de ki, arme éveillée. Je savais pas que ça existait. Pas mal. Je pensais pas que ça existait. On avait dégâts de mêlée, je crois bien. Mais pas dégâts de ki. Ça, c'est bien. Ça. Très bien. Après c'est par où? Faut monter ou pas? Ah oui, il faut détruire le cristal. Quoi?
Je sais plus si on a vraiment besoin de détruire les, tous les cristaux. Je crois pas. Hein. On va le faire, mais... Bon, ça, ça détruit toujours le ki... Putain de merde. Ah, c'était pas le... Oh mon dieu. Trop bien. Non, pas ça, pas ça. Putain de merde. J'ai... Ça m'a target le kappa au lieu de celle qui était derrière moi. Je pensais que c'était l'autre avec les cheveux longs là qui tapait sur le l'arbre. En fait non, c'est elle. Parce que je me disais elle est bizarre, c'est peut-être une spéciale, mais en fait c'est parce que c'est pas le même ennemi en fait, tout simplement. C'est une Tsuki. Elle. Non, c'est bon, vous arrêtez de me tirer dessus. Très très bien. On va y aller, bourrin, on va se mettre en plein milieu. Non, la vache. Oh mon dieu, qu'est-ce que t'es relou. Treize mille. Pas mal. pas trop ce qui vient de se passer, mais... Ça, ça se passe bien. J'ai envie de... Faudrait vraiment faire un test précis, hein, par exemple avec le double A. Je sais que... si par exemple on se prend un coup à 500 de kick, on bloque, on va se prendre peut-être 400, un truc comme ça. C'est pas énorme, mais ça peut des fois faire la différence. On va dire que ça c'est utile dans certains cas. Moi c'est vrai que j'ai beaucoup de résistance au ki. Donc j'ai envie... Brise-garde, pardon. J'ai envie de dire que j'arrive à sentir la différence. J'ai vraiment envie de dire que j'ai... En combat là, je veux dire, comme ça. Juste au feeling, juste au feeling. J'ai envie de dire que je le sens la différence. seize mille de dégâts. On a déjà fait du 16 000. On a déjà fait du 16 000. Est-ce que la stat marche aussi? Ouais, faudrait faire des tests bien précis plus tard. Mais pour l'instant, ça va. Un truc que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que ça fonctionne avec les noyaux yokai? Parce que ça dit coup de grâce et transpercement. C'est bien ça. Transpercement ou un coup de grâce. Augmente les dégâts infligés en proportion de vos dégâts de ki de base lorsque c'est une attaque de mêlée contre un ennemi à court de ki. Un transpercement ou un coup de grâce. Ah, attends, peut-être que j'ai mal lu en fait. Peut-être que j'ai mal lu. Augmente les dégâts infligés en proportion de vos dégâts de ki de base. Lorsque vous effectuez une attaque de mêlée contre un ennemi à court de ki, un transpercement ou un coup de grâce.
Donc ça augmente les dégâts en proportion de, des dégâts de ki de base. Quand on fait une attaque de mêlée contre un ennemi à court de ki, ou un transpercement ou un coup de grâce. Donc même les dégâts de base en fait. Genre même quand on tape, tant qu'ils sont à court de ki en fait, ça va augmenter les dégâts, c'est bien ça. C'est pas transpercement ou coup de grâce, c'est transpercement, coup de grâce et attaque. Et attaque de mêlée, je crois. C'est compliqué des folies. Enfin bref. Ah, on va taper l'autre. C'est parti. Je l'aime pas lui de toute façon. Par exemple, là on était très très bas en ki. J'ai envie de dire que là il devrait nous détruire le ki à chaque fois. Là il l'a fait parce que j'ai tapé. Mais en bloquant, il m'a pas détruit le ki. Ah non, je pense que c'est pas mal. Mais du coup, maintenant, on est à la recherche de l'armure en orange. Non, ça. Du coup, on est à la recherche de l'armure en orange avec des bonnes stats, si possible. Enfin, avec la bonne grâce, surtout. C'est un peu embêtant. Tu veux pas l'utiliser sur toi? Ça te remet full vie et tu viens avec moi. C'est pas plus malin de faire ça? Hein? Juste une idée comme ça. C'est pas plus intelligent de faire ça? Comme ça on reste en groupe. Ah putain, ça a ciblé le zombie. Oh mon dieu, j'ai pas réussi. Ça fait pas énormément de dégâts ces attaques chargées, je remarque. Quand ça fait beaucoup de dégâts, genre ça fait plus de 10 000, c'est vraiment quand on est genre derrière l'ennemi et tout. Sinon ça fait pas des masses. Mais j'ai l'impression que les dégâts ils sont décuplés en fait quand après on a des boosts comparé à d'autres attaques. C'est un peu comme l'attaque dégainée là de. l'attaque éclair là, du katana. Quand vous le faites devant, c'est. Oh waouh, c'est stylé. Ça a failli me tuer aussi. Je l'ai jamais vu en plus cette attaque. Tu peux cibler la bonne? Merci. Allez, rentre dans la maison. C'est même pas moi qui l'ai tué, je crois que c'est le boss. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Parce que moi, elle m'a coupé en fait. Oui, l'attaque rapide là, de dégainement là. Ça aussi, quand on le fait devant, ça fait pas énormément de dégâts.
Mais après, quand on commence à le faire, genre à l'arrière, ou genre c'est un ennemi paralysé et tout ça, les dégâts sont décuplés, j'ai l'impression. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Voilà. Ramène-toi. J'ai envie de dire qu'en pratique c'est pas mal le doubleur. Y a des moments où je devrais être à court de ki, où je suis encore debout. Avec très peu de ki, mais je suis encore debout. On va le laisser en haut là. C'est pas grave, j'ai pas envie de monter. Coffre. Ah non! Ah regardez! On a encore du ki. Ah vous avez vu? C'est normalement on a pas de ki. Hein. C'est la première fois que... qu'on arrive encore à avoir du ki. Quand celui il ouvre le coffre. Hein. C'est genre considéré comme une des plus puissantes attaques du jeu, j'imagine. Niveau ki. Niveau dégâts de ki. Donc ouais. Non, c'est pas mal. Parce que vous voyez, quand je disais, après faut voir sur terrain si c'est vraiment utile. Parce que imaginons qu'on se prend une attaque qui fait 2000 de dégâts de ki. On a 1500. Ok. Donc déjà, on pourra pas la résister. Mais si, au lieu de 2000, on se prend 1700, ben ça change pas grand chose parce qu'on a que seulement 1500 de ki. Ouais, donc même avec ça, on va quand même se... On va pas la résister. Donc c'est pour ça, c'est pour ça que je disais qu'il faut aussi tester en combat réel. Donc, mais en combat réel, ouais, je le sens, je le ressens. Là on a bloqué, il y a les deux qui m'ont tapé en même temps. Je suis sûr que normalement on serait à court de coups. Après ça nous aurait pas tué parce que bon nous on est résistants et tout ça, c'est pas vraiment le problème. Mais je suis sûr qu'on serait tombé à court de coups. La mauvaise attaque que j'ai faite. J'aurais dû passer en posture moyenne. C'est encore le fait d'avoir échangé les deux attaques. J'ai encore un peu de mal. Oh, bonjour. Pourquoi j'ai mis de l'eau? Sur notre tour. Parchemin Mio, quoi. Ouais, on fait des dégâts. Par contre, les grabs, parce que les grabs, en fait, c'est très très... très très fixe comme dégâts, comme type de dégâts. Et on fait des chiffres, en fait, que j'ai jamais vu, genre 1900,
Genre, je pense pas avoir vu un 1900. Merde, on est électrifié. Je vais être honnête, peut-être que j'ai dû le savoir, mais je m'en rappelle plus. Je sais plus du tout à quoi sert de détruire les cristals, en fait, les cristaux. Je sais pas si ça affaiblit le boss ou quoi que ce soit. Je crois pas. Je m'en rappelle plus. Mizuki. Il y a aussi Mizuki que j'aimerais bien utiliser. Moi, à la base, on va dire que j'ai toujours voulu utiliser les deux Mizuki, les deux frères, en fait, Mizuki et Gozuki, parce que je trouve les attaques plutôt bien. Mais bon, ça coûte trop cher, en fait. Capacité yokai super efficace toute. Regardez. Toi, t'as quoi ? T'as rien de spécial. Mais c'est vrai que l'autre aussi, elle est pas mal. Alors on va voir un peu comment ça se passe avec lui en tank, parce que ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait lui. Enfin, en tank en tout cas. On va voir un peu. J'imagine qu'on fait le... On fait ça, on va se mettre là et on fait ça. On fait ça aussi. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Ah merde. Oh. Ah mon dieu. Ok. Bon, on va peut-être pas tanker... On va peut-être pas tanker les rochers qui nous tombent du ciel. Ça a l'air de faire un peu mal quand même. Si je me transforme avant de... Je sais pas si ça va faire plus de dégâts ou pas, je pense pas. Continue à bouger, c'est bon. Pas mal. Pas mal, j'ai envie de dire. C'était assez simple, spam de AOE et puis basta quoi. Gros spam de AOE.
va regarder un peu l'équipement qu'on a aussi. J'ai pas regardé depuis un petit moment. Yes, on l'a eu en orange. Du coup, on a fini cette région. Il n'y avait que deux missions. Donc maintenant, on est en rêve. Maintenant, on est en rêve. Très bien. Il faut pas qu'on teste aussi la constitution. Je suis toujours pas testé. Attendez. Voilà. Ok. Alors, on va regarder un peu les choses qu'on a. Comme d'habitude, on va assez vite. Y a les armes, honnêtement, j'ai envie d'arrêter de... J'ai envie d'enlever l'accessoire, enfin changer la stat de l'accessoire pour éviter d'avoir les mêmes armes. Mais j'ai envie de dire, j'ai pas trouvé de hache, de nouvelles haches intéressantes en fait pour le moment. Donc bon. Ah, toi tu vas, on va te garder. Ouais, j'ai pas trouvé de nouvelle hache qui pourrait être pas mal. Enfin, la seule nouvelle que j'ai vue, que bon, j'ai le texte aussi ancien, c'est celle que j'ai montrée, là, qui ressemblait... en fait, qui est exactement la même que celle qu'on a quand on est en yokai. Et c'est tout. On n'a pas eu de gouverneur en orange, c'est con. Il n'y a que celle-là et j'ai envie de dire qu'il y a sûrement, possiblement que celle-là qui existe. Enfin, qui est nouvelle, je veux dire. Peut-être. Enfin, après, j'ai pas fait, j'ai fait le DLC qu'une seule fois. Donc, on a des boss uniques aussi dans le DLC, dans les missions secondaires. Qui sont pas dans les missions principales. Genre parce que vous savez, des fois, Hero 6, façon de parler, ils utilisent les mêmes boss pour les missions secondaires. C'est ce qu'ils font à chaque fois. Hein. Là, ils ont fait pareil aussi dans le troisième DLC et tout ça. Dégâts de mêlée sur les yokai, 12%. C'est pas mal, ça. mais il y en a aussi des complètement uniques qu'on n'a pas dans l'histoire principale. Un peu comme, par exemple, Hayabusa dans le deuxième DLC. Qui n'est pas dans l'histoire principale. Ah tiens, on a le chapelet du Kobo Daishi. C'est pas mal ça. C'est celui du bâton, c'est cool. Ah, un truc qu'il me faudrait, peut-être remettre les accessoires. Armure, bah pour le moment armure, bon, on n'a pas vraiment mieux. On cherche pas vraiment mieux en fait. Comment dire, on cherche pas autre chose, on veut toujours la même armure pour le moment, parce qu'on veut pas changer de build. Donc armure, on garde l'arme, comme j'ai dit. Le katana, bon déjà, on s'en fout, parce qu'honnêtement, je vais pas le garder. Il y a que la hache, mais c'est compliqué de trouver une meilleure hache. Honnêtement, c'est vraiment très compliqué. Par contre, les accessoires, je veux bien trouver un magatama, moi. Avec des nouvelles choses. J'en ai deux, trois. J'en ai eu trois de magatama depuis. Sans le fétiche. Donc on va peut-être changer arme et on va mettre accessoire à la place. Ce serait plus logique, je pense. Je crois que ce serait un peu plus logique. Alors, arme, accessoire. Parce que bon, la hache, on va jamais trouver un truc mieux. Elle est très bien, cette hache. De toute façon, voilà. Mais très bien. Mais on va peut-être pas la garder non plus. C'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est qu'on va peut-être pas la garder. Parce que... peut-être qu'on va utiliser autre chose. Donc ça sert à rien de
peut prendre les armes. Alors on a eu diadémicier pour les hachettes. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Du coup. Il y a un truc qu'on pourrait faire aussi, parce que je sais qu'on n'a pas tout augmenté. En armure. Genre les niveaux. Casque. Genre 180. 190 en 25. What? On passe en 25 directement? Pourquoi? Là on a 19, là on donne 30. Ça devrait être 24 déjà. Pourquoi on a 25? Je vais voir un peu. Là on a 20 parce qu'on est à 19 avec du vert. Oh, j'aurais bien voulu avoir celui-là, là, le ki là. C'est pas mal. Après, je pourrais utiliser des choses comme transmission de grâce, en fait. Parce que c'est vrai que le ki 59, c'est pas mal. Hein. On va peut-être le garder, ce casque. J'ai toujours pas fait ça, en fait. Voilà, 26. Oh, ok. C'est genre le fait de... 32. Il y a 12 de différence. Non, 13 de différence. Je sais pas. Je suis fatigué, ok. Je suis fatigué. Bon, toi, ça sert à rien. Il faudrait de l'orange. Après, j'ai des objets pour... Enfin, j'ai des armures, transfert de qualité et tout ça, mais on va pas le faire. Non, mais j'ai l'impression... On prend plus de niveaux, alors. Genre 30... Là, on passe à 31. 27, on passe à 31. Avant, c'était que 1. Maintenant, on gagne des niveaux supplémentaires. Genre, plus c'est élevé, plus on gagne de niveaux, j'ai l'impression. Cela, ça devrait être 28. Mais du coup, là, c'est 31. Donc, 20. Pourquoi il y a 3 points de plus? Parce que 20, de 28 à 34, il n'y a pas 3 points de plus. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, bref, c'est pas grave. Mais ça, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Ça sera beaucoup plus simple pour augmenter les armes. Et les armures. Ok, tout est à 190, c'est bon. Un truc que je devrais faire aussi, c'est forger... Ah oui, il y a des armures que j'ai pas montrées, c'est des nouveaux casques que j'ai récupérés, là. J'ai un casque qui est intéressant. Bah, c'est ces deux-là, là. Alors, la couronne étrange, donc. On a dégâts subis en critique. Ça, c'est bien, avec des projectiles subis. Ça, c'est cool. Plutôt sympa comme casque. Donc, je dis pas non, peut-être, pour le faire. Mais bon, on a le buff de défense. Après, on a ça, c'est augmentation... d'attaque avec quand votre ki est à 50% ou moins. Ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Donc ça ferait une attaque, en fait, un boost d'attaque tout le temps. Et ça, et en plus, il y a dégâts élémentaires subis moins. Donc ça, c'est cool. Et ça nous permettrait, en fait, de pas avoir genre un parchemin avec augmentation d'attaque quand les ennemis sont à court de ki. Ce serait bon, le court de ki, bon, faut le dire que dans une mission, ça arrive très souvent, hein, surtout avec nous, qu'on détruit les ki et tout ça. Mais le fait de pas... Mais en gros, c'est qu'on a toujours besoin de combattre quelqu'un si on veut se buff. Vous voyez ce que je veux dire? 92... 100... celui-là. Mais on a toujours besoin, en fait, d'une personne supplémentaire pour que ce buff s'active. Mais là, en fait, on pourrait le faire nous-mêmes. On pourrait se vider le ki, tout simplement, ou le mettre à moins de 50%. Et du coup, on aurait ce buff. Donc, c'est plus intéressant.
Mais du coup, il faudrait un buff qui nous augmente la défense, qui se mette automatiquement. Il nous faudrait ça. Parce que c'est notre casque qui nous donne notre défense. Très très bon casque. J'ai tellement l'habitude de la version crépuscule, ça aussi. Normalement, il y a une araignée là à chaque fois. Je vais être honnête, on va la zapper cette mission. Enfin, la zapper, on va la rush. Les missions comme ça qui sont en crépuscule et qu'on doit faire 50 000 fois parce que c'est tout le temps en crépuscule, ça me saoule. Ah, par contre, lui, on va se le faire. Hop, hop. Ça n'a même pas donné de... T'arrêtes ? J'arrive pas à lui détruire les cornes. Voilà. 1100, pas mal. Non, 11 000, pardon. Ouais, non, non, on fait des dégâts en plus. Hein. On fait bien des dégâts supplémentaires avec le parchemin. C'est très bien. On va le garder. Ce qu'il nous faudrait sur le parchemin en plus, ce serait... c'est quoi, constitution? Pour le régène de HP, là, apparemment. Vous imaginez si on a... Parce qu'ils disent qu'on récupère des HP plus facilement quand on est à 70%. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un régène naturel, genre si on met un régène en... du coup le régène est décuplé, ou alors ça veut dire que ça nous met tout le temps un régène. Genre on n'a pas besoin de magie omnio, on n'a pas besoin de rien. Genre on a toujours un régène d'HP. Si on a toujours un régène d'HP, ça voudrait dire que... Potentiellement, notre buff de défense en fait s'activerait tout le temps, quoi. Celui-là il s'active quand on récupère de la vie. Mais là, si on a vraiment un régène qui est constant... Enfin, en tout cas, si on a plus de 70%. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui m'écoutent et qui ont la réponse et qui doivent se dire « Mais ça marche pas comme ça, va tester, mais va tester !» Oui, mais j'ai pas envie de changer mes stats, parce que sinon c'est chiant. S'il faut, c'est tout nul. Donc j'ai pas envie. J'attendrai d'arriver à 150, naturellement. Oh putain, pas mort. Ah, cible le mur, c'est le mur que je vais cibler. Oh, wow. C'était la vrille que je voulais sortir. Encore une fois, si on peut un peu louper. Très bien.
Je voudrais aussi notre nouvelle attaque là avec la hache. D'accord, casse-toi là. Alors, le coup de pied. Très bien. On arrive, Shuten Doji. On arrive, on arrive. Ah, le mur. Kinky. Si on avait eu un Kinky, genre avec les dégâts augmentés, je l'aurais mis à la place de Gozuki. Ouais, si on arrive à avoir un Kinky comme ça, là, qu'on combat, genre sans farmer, sans rien, je veux dire, avec un dégât de capacité yokai, qu'est-ce qu'on pourrait avoir dessus? Bah, c'est tout ce que je demande en fait. On utilisera Kinky à la place, ça va être plus drôle. Parce que je crois que j'ai rien d'intéressant sur lui. Dégâts de capacité, le reste on s'en fout. Enfin oui, absorption de Dame Rita. Très bien. On a un point de hache. Bah, attendez, on a un point de hache. Alors, on voulait cette attaque. Donc, pour l'instant, on a juste la première version. Enfin, le coup de pied pour le moment. On va changer coup de pied haut. Oh, oh, on peut pas mettre les dégâts de ki. Putain, par contre, on fait un putain d'élan. Je me demande si pourquoi on peut pas mettre dégâts genre de ki, c'est parce qu'on n'utilise pas l'arme. Alors peut-être qu'on pourra le mettre après, quand on aura la deuxième attaque en plus. Ça m'étonnerait quand même qu'il dissocie ça comme ça. On va voir un peu les dégâts. Oh mon dieu, les dégâts de lui. Non, peut-être pas sur lui, mais lui fait un peu mal. Coupé. Non, ça fait pas de dégâts, hein. Je crois que ça fait 187, un truc comme ça. Je crois bien que ça fait pas de dégâts. Mais ouais, faudrait tester contre un humain, en fait. On testera en dojo après cette mission. Si je trouve pas de test valable ici. Ha ha ha.
Baron, venez au centre, s'il vous plaît. Très bien. Vous êtes un peu embêtant, en fait. Ah, on pourrait le faire contre un humain, tiens. Dégâts, putain de merde. 11 de dégâts. Tu vas te calmer. Non, toi tu fais trop... Ouf, j'ai l'impression que c'est nul en fait. J'ai l'impression que quand l'ennemi il est genre collé à nous, on passe à plus ou moins à travers ou à côté. Ah putain. Ah. Je te veux. Il y a plein de kinky ici, c'est top. On va faire le boss, c'est pas grave. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est... C'est compliqué de savoir si ça vaut le coup. On va le faire en dojo après. Très bien. Ça serait con hein, que... Enfin... Oui parce que là du coup elle sert pas à grand chose l'attaque. Parce que nous on avait dégâts de ki plus 20% en fait sur le... Sur une attaque déjà qui détruit le ki déjà à la base. Bah là on... Là c'est vraiment... On a régressé quoi. Là on a complètement régressé. Donc je sais pas trop. C'est vrai qu'il est chiant lui pour... Pour la toupie. Ça que je vais faire. Mais elle est trop loin. Ça va, facile. Facile, facile. C'était assez violent hein, comme, quand même de rester dans sa gueule comme ça, à le tabasser constamment. On était toujours au max, genre santé et tout ça. C'était assez violent. Shuten Doji avec dégâts de capacité yokai en mutation yokai. Alors, passe en dojo deux secondes, voir
voir un peu les dégâts en fait de ki que ça fait ce coup de pied. Parce qu'en théorie il devrait faire pas mal de dégâts. Parce que tous les dégâts de... Enfin toutes les attaques de coup de pied comme ça, c'est... il y en a avec le katana et tout ça. C'est vraiment bon pour les dégâts de ki. Mais bon. Attends, remonte ton ki du coup. C'est pas mal, hein. Regardez-moi ça, quand on met un coup de pied. Vous avez vu? J'ai envie de dire que ça fait un quart de sa barre. C'est un peu dur à voir. J'ai envie de dire que ça fait un quart de sa barre. Honnêtement. Là, on va faire pareil, sans l'augmentation. J'ai l'impression que c'est la même chose en fait. Attends, remonte ta barre. Ça fait un peu plus de dégâts par contre, parce qu'on tape quand même avec le flanc de la hache. On fait du 300, 600, j'ai vu, je crois, à un moment. Ah ouais, mais là il est corrompu. C'est quoi déjà la corruption? Ils peuvent plus régénérer de stamina, je crois. D'endurance. Enfin, les yokai en tout cas. Ouais. À la limite, je... C'était joli ça, ce que je viens de faire. Non, je dirais que c'est mieux ce coup de pied, mais c'est juste bête qu'on puisse pas l'augmenter. Mais après, j'avoue que oui, le coup de pied est plus intéressant. Du coup... Après, on peut, si on veut vraiment cette attaque, si on veut vraiment gaucher, on peut le mettre là. De toute façon, on peut le mettre en attaque basse. Mais j'ai envie de garder ça, donc du coup, on pourrait mettre... Parce que ça, c'est un grab seulement si on brise la garde. Si on met à court de ki. Réduit les dégâts infligés par certaines compétences actives. Non, c'est pas ça. Augmente les dégâts de ki infligés par certaines compétences actives. 1%, voilà. Donc du coup... plus on fait, parce que cette attaque fait des dégâts de ki en même temps, c'est pas, c'est, il faut pas que genre l'ennemi soit à court de ki quand l'attaque connecte avec l'ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, vous voyez qu'il a perdu du ki avec l'attaque. Voilà, ça le grab et tout directement parce que voilà, il avait plus de ki. Voilà. Vous voyez que là, il avait encore du ki. Et ça l'aggrave. Donc, du coup... un certain threshold, en fait, j'ai envie de dire. Un certain niveau de ki. Ça va ou faire des dégâts de ki s'il en a trop. Et baisser sa barre. Ou alors, ça va le grab s'il en a pas assez, en fait, pour résister à l'attaque. Donc, du coup, là, on augmente le fait de pouvoir grab, même s'il a du ki, de 20%. C'est pas mal. On va faire comme ça, on va faire comme ça. Et après, j'espère que bah, le coup de hache, en fait, après le coup de pied, avec la position moyenne, j'espère que ce sera intéressant. J'espère que ça sera bien. On va sauvegarder. Hop. C'est reparti. Oh, j'aime bien cette mission. Oh, j'aurais dû utiliser des 10 trucs. On utilise 10... Parce que j'ai envie de faire tous les boss. On va sortir. Désolé, on va sortir.
C'est j'ai envie de faire tous les boss. J'adore cette mission. Alors je sais pas pourquoi vraiment j'adore. C'est parce que je pense que c'est tout simplement parce qu'il y a plusieurs boss dedans. Et c'est pas vraiment des boss chiants. Et c'est, bah, c'est un peu la mission un peu unique où, et surtout ils sont optionnels, c'est ça le truc. C'est ça que j'aime bien moi. C'est qu'ils sont complètement optionnels. Elle, elle vient pas avec nous. Hein. Ouais, partez devant. C'est ça. Comme toi, toi tu tournes les pouces. Et c'est aussi la mission que j'utilisais pour tester mes builds. Calme. Je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça. Mais... Après, il y a aussi le coup de l'élan. L'élan du coup de pied est pas mal. J'avoue que ça, c'est utile. Le fait de pouvoir réduire la distance entre vous et les ennemis, c'est pas mal. C'est pratique. Putain, t'es rapide. J'ai cru que l'attaque à la hache, elle allait sortir. C'est possible qu'il nous one-shot. Comme j'avais dit la dernière fois, ouais, c'est possible. Si on est full vie, vu qu'on n'a pas la résistance du critique, c'est possible que ça passe en one-shot. Je serais étonné, honnêtement. What? Ok, avec Onryoki, il y a quand même un gros délai. Hein. Il va falloir que j'arrête d'essayer d'esquiver les... D'esquiver les grabs de celui-là là, avec Onryoki. Ça met trop de temps, en fait, à activer l'état d'invincible pour les grabs. Putain de toi. Ça met vraiment trop de temps. Allez, go. On a plus de... On a plus de qui. De qui, ce que je raconte. De parchemin.
Très bien. Encore un qui prend extrêmement cher hein, quand... quand il est en forme... monde obscur, là. On lui tourne autour. Parce qu'il a plus sa carapace, en fait. Voilà. J'avoue que t'es un peu compliqué. Et Nera, là. Enfin, bref. Je l'aime pas, c'est vraiment mon... Enfin, le design est cool, attention. Hein. Je parle pas du design, mais c'est le... Je crois le boss le pire du qui peut exister pour moi. Vraiment le pire de Nioh, quoi. Nioh 2. Ah merde, putain mais je suis con ou quoi? Apparemment ouais. Ouh, je l'ai attrapé juste quand il faisait ça, sa prise. J'avais jamais pensé à ça. Un contre-prise, tiens. Genre le grab avant qu'il me grab. Intéressant. J'avais jamais pensé à ça. Depuis quand ça a des combos, ces cons de renard? On apprend tous les jours. Strictement rien, on va peut-être pas quand même exagérer. Je sais pas trop ce qui m'attend en fait. Oh putain, ok. Oh la vache. On va la bait. Vas-y, ramène-toi. Elle l'a fait un peu tard, mais elle l'a fait. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'elle est relou. Très bien. On aurait un tout petit peu plus lutté quand même, hein, sans l'Omnio. Hein. On a bien fait. On a très bien fait. Ah
servait à rien d'aller là. Attendez, on va aller un peu plus vite. C'est quoi? Non, c'est course du tigre. Je me perds un peu. Ah! Voilà. Ok, fais ce que tu veux, le lock, fais ce que tu veux. Alors, apparemment, c'est toi qui... C'est le lock qui décide, qui cible, c'est pas moi, ok? Perdu des bras. Alors après, ça peut être intéressant le coup de pied parce que c'est vrai que ça nous permet de... Quand on va à la rencontre de l'ennemi, donc il va vers l'avant pour nous taper et nous on va vers l'avant pour le taper. Souvent on arrive derrière le dos, mais le tracking est pas mal, notre perso en fait tourne bien, je remarque. Donc ouais, avec peut-être le deuxième coup de hache, ça peut être intéressant. Toujours taper dans le dos, ça va faire des gros dégâts. Oh la vache. C'est pas mal ça. Dégâts max sur ki de capacité yokai. Augmente les dégâts de ki max lorsque vous utilisez une capacité UK. C'est pas mal ça. C'est vraiment pas mal. Tiens, on a pris un niveau. Je crois qu'on... C'est quoi ça encore? Non, je crois qu'il nous manque rien avec l'hybride. Ce que j'ai vu, on a pris quasiment un niveau. La barre est presque pleine. On va faire un tour. Oh mon dieu, laissez-moi! Laissez-moi faire le feu! Très bien. Genre la musique elle sexy. Comme si c'était dangereux. Voyons. Après on a ouf. Écrasé par un sanglier.
qu'est-ce qu'on fait? On va directement détruire le cristal. Je crois. Très bien. On va aller là. Très bien. D'accord. Tu m'as ciblé le Gaki qui dormait au lieu du... Pourtant j'ai cru que j'avais assez bougé la caméra par moment. Récupérer la magie. C'est pas grave. Il y a un boss derrière moi, ouais. Les deux. Oh, j'adore combattre les deux aussi en même temps. Gozuki et machin. J'adore faire les deux en même temps. Enfin, surtout pour moi, c'est fun. D'accord, les caméras voulaient pas changer. C'est pas grave, ça. Oh la vache. Ah. Okay, on va faire un peu attention là. Qu'est-ce qu'elle a essayé de faire? Je crois qu'elle a essayé de le grab, genre comme un humain, parce que je suis allé trop vite. On a eu un moment un peu de frayeur. Mais ça s'est bien passé. On a eu un petit moment de frayeur. À un moment, il fallait se remettre le parchemin et tout ça. Il y a lui, et après il y a encore Kasha à faire. Ça. Il est immunisé contre l'eau, je crois. Lui. Ah non, je suis bête. Non, il est pas immunisé. Merde. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Je voulais faire Onryoki et pour esquiver le grab et
Et j'ai fait cercle à la place. Eh bé. Ah vache. Les mecs sont résistants. Normalement, il manque Kasha, je crois. Elle est dedans. Je dis pas de bêtises. Mais par contre, je sais pas de quel côté il faut passer pour la combattre. Ah, tu en as encore monté le bon. C'est moi ou on prend plus d'expérience? On prend un peu plus d'expérience que d'habitude. C'est un peu étrange. Alors, hybride 1. Alors moi, je vais ça finir. Réduire la pénalité de vitesse, restauration du ki dans le royaume obscur. Et en théorie, j'ai plus rien à faire. En théorie, j'ai plus rien à débloquer. Parce que tout le reste, c'est pas vraiment intéressant. Enfin, c'est pas des choses que je vais utiliser. Maintenant, ce qui me manquerait à augmenter, ce qu'il faudrait que j'augmente, c'est la durée de mutation yokai, en fait. C'est tout la durée. Mais je sais pas la limite de l'hybride. Enfin, je dis qu'il faudrait le faire si jamais on fait notre version du tank en mutation yokai, évidemment. Sinon... Ah bah elle est là, Kasha. Ça va. Toi, je te spam de... De Gozuki parce que tu fais trop mal, t'es trop rapide. Putain, toi tu me t'es ce terrible. C'est bon. Très bien. C'est parti. Kasha. Ah, j'aurais dû m'immuniser contre le feu. On va attendre qu'elle a plus de... qu'elle ait plus de ki pour faire la toupie. Quelques secondes après. What? Ça l'a pas touché? Oh la vache! Ouais, elle m'a tué. Je sais pas pourquoi je me mets aussi le... la résistance au poison et paralysie. Les bons dégâts là.
Je pense pas que le feu allait me faire autant de dégâts, mais ouais, 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 c'était un peu violent. J'avoue. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on peut faire cette salle, puis après on va au temple. Très bien. Alors par contre, moi en tank, ça va être un peu relou avec ce boss là. C'est la deuxième échelle. Ça va être un peu relou. Parce qu'on va devoir... on va devoir un peu tanker. Esquiver les attaques et tout ça. C'est casse-noix. C'est un tout petit peu casse-noix. Mais ça va se passer, ça se passera quand même. 6800 de vie, je viens de remarquer. Alors, qu'est-ce qu'il me faudrait? Ça, le saké. Je crois pas que ça fasse du paralysie ou du poison à mes yeux. Voilà. Que ça, oui, c'est vrai que c'est 3 coups. C'est combien? Il faut détruire 2 au début ou 4? Je crois que c'est 2. Ouais, laisse tomber. C'est 4. Je sais pas pourquoi j'essaye à chaque fois. On reprenne un saké. C'est bien. Très bien. Bœuf. Pas mal, pas mal. Ah,
pourrais... Si, ça fait paralysie. C'est bien ce que je pensais. Je me rappelais de rayons violets. Par contre, on peut spammer en Ryoki. Ouais, ça l'a tué directement. Ok, on va faire en Ryoki. Hop là. Très bien. Dégâts. Oh putain, on se prend tout dans la gueule, quoi. Ah ouais. On va boire un coup. Très bien. Pas ça. Yes. Elle a régène de la vie, hein, je veux pas dire. Elle avait régène de la vie, apparemment. Yaosakabe, je voudrais bien aussi pouvoir utiliser un build qui l'utilise. Genre la spammer. Vous imaginez le bordel que ça fout sur le champ de bataille? Genre les tentacules, enfin ouais, oui, ouais c'est des tentacules, genre les trois qui sortent et qui arrêtent pas de tournoyer et vous faites ça à la chaîne. Ça, en plus ce qui est marrant c'est que, genre les yokai de taille moyenne ça les déplace, même les gros, je crois que ça les pousse et tout ça, ça les déplace. Ça serait assez drôle. De faire ça, genre vous spammez ça tout le temps. Faites que ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon bah du coup on apprécie bien hein, le ça là, l'endurance ultime, j'ai envie de dire que c'est utile, c'est honnêtement utile pour nous. J'aurais dû même un peu me forcer on va dire à l'utiliser depuis un petit moment. Virtuose du coup de grâce, je pense que c'est pas mal aussi, je pense que ça nous aide aussi très très bien. Donc ouais. Il nous reste combien de missions? Encore une? Ouais, Diago. On le fait maintenant. Et on regarde... On a combien? On est à 400. Ouais, c'est bon. Let's go.